Please join me in welcoming the top man at Nintendo Worldwide, President Satoru Iwata. Thank you very much, Jamil. On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. Sur sa carte de visite, c'était un président, mais dans sa tête, il a toujours été un développeur. Et dans son cœur, toujours un gamer. Satoru Iwata, quatrième président de l'histoire de Nintendo, est décédé le 11 juillet dernier à l'âge de 55 ans, emporté par un cancer des voies biliaires, qu'on le savait malade depuis presque un an. Il laisse derrière lui donc grand nombre de souvenirs chez les fans de la marque, étant ses 30 années à collaborer avec Nintendo, jamais marqué les joueurs. Puissance Nintendo LPN, chose associée à la peine qu'engendre l'annonce brutale de sa mort à la communauté des gamers en lui dédiant cette émission. Ami Pencho, Ré Pencho, bonjour, salut Xavier, salut Valentin. Salut. Salut. On ne devait pas se voir cet été. Ben non, on avait décidé de faire un petit break, toi et moi, enfin vous et moi, ouais. Voilà, mais l'actualité, on a malheureusement décidé. En plus, t'as dit de t'emporter le gosse, en plus. C'est vrai, il a fallu que je te le ramène. Bon, en tout cas, ouais, donc on aurait préféré pas le faire, mais c'est vrai que les conditions et l'actualité s'imposent. Donc Satoru Iwata est bien décédé, donc un peu brutalement, comme ça, on s'en attendait pas. L'annonce a été faite le 13 juillet, donc il est mort le 11, des suites de son fameux concert. Et donc on va revenir donc un peu sur sa vie, sur son œuvre, dans cette émission un peu spéciale, donc consacrée donc à Satoru Iwata. On commence tout de suite par le sommaire de l'émission. Au sommaire de cette émission, donc totalement consacrée à Iwata, on va voir un petit peu sa vie, son œuvre. On va le voir déjà en tant que développeur, ce qu'il était, et ensuite un petit peu en tant que président de Nintendo, puisqu'il a quand même été 13 ans président de Nintendo. On va voir aussi un petit peu son héritage et qu'est-ce qu'il va avoir dans le futur. On va essayer un petit peu de se poser des questions, faire un petit peu Madame Irma. Mais en tout cas, on espère que ce sera un petit peu dans la dignité et surtout, en tout cas, ça va être une émission un peu bizarre. Ça va être une émission un petit peu bizarre. C'est pas la première fois qu'on fait une émission spéciale. C'est la deuxième. On a fait une émission sur Yamauchi il y a 2 ans de ça maintenant. Sauf que Yamauchi à ce moment-là était quand même plus président de Nintendo. On avait appris à l'oublier, disons, mais c'est vrai que ça fait partie des émissions qu'on. Qui sont pas faciles à préparer, qui sont pas faciles à faire pendant, mais bon, on va tenter. C'est parti. On commence ? Allez, première partie. And my name is Iwata. I'm about making games. And I'm about playing games. Last night, I played Super Smash Brothers. That's my game. I kicked some, you know what. And I took his name. His name was Reggie. As Nintendo president, I'm also all about asking questions. So, Reggie, I have a question for you. Who's your daddy? Donc Satoru Iwata est donc né le 6 décembre 1959 à Sapporo, dans la préfecture d'Hokkaido, au Japon. Ville d'ailleurs dont son père était maire, petit notable de la ville, quoi. Et très vite, il va vite devenir un leader un peu né dans sa vie, puisque dans la scolarité, on va dire que ça se passe plutôt bien pour lui, non? Oui, c'est un bon petit premier de la classe, il est délégué de classe, il s'entend bien avec tout le monde, une vraie vedette. Et en plus, il est loin d'être bête, puisque... il va faire ses premiers pas en programmation sur une calculette programmable. Oui, qu'il va acheter. Il va acheter une calculette programmable avec ses petites économies et il va s'amuser tout de suite à... Il aime le jeu vidéo déjà à la base, il a déjà la bonne arcade au Japon. Je crois qu'en fait, dès ses années de lycée, il savait qu'il bosserait dans le secteur du jeu. C'était ce qu'il voulait faire. Donc son premier jeu sur calculatrice, justement, c'est un jeu fait de chiffres, mais de baseball.
C'est la première chose qu'il va créer et en fait il va le faire partager avec ses collègues de classe. Ça va vite devenir ça va devenir sa passion du coup, hein, c'est ce qu'on dit, ça va vite devenir sa passion. Passion qui va d'ailleurs plutôt grandir puisqu'il va avoir de la chance quand même d'être plutôt doué, d'être très vite leader, hein, il va être délégué de sa classe. Plusieurs années et va arriver à l'université. Donc il est à l'université de Tokyo, de technologie de Tokyo. Il est admis et il va en sortir d'ailleurs major de sa promotion. Ça veut rien dire. mais de là en fait Iwata va encore plus s'ancrer dans sa passion qui est jeux vidéo. En gros il va fréquenter une boutique d'informatique dans Tokyo. Et de là, il va rencontrer un groupe d'amis où il va fonder vraiment justement un noyau dur. Un groupe vraiment de développement, où ça va parler de jeux vidéo, etc. Et ce groupe d'amis-là, bah, plus tard, va fonder Al Laboratory. Ça vient de là, donc. Ça vient de là, mais c'est d'ailleurs, on y reviendra juste après, Al Laboratory. Et très vite, donc, en plus des cours à l'université, il va travailler un peu à temps partiel pour cette fameuse boîte. Donc très vite, on va dire, son destin est déjà scellé. D'ailleurs, quand il va rentrer dans cette boîte à temps partiel, bah, son père va lui en vouloir beaucoup. Son père, comme on a dit, c'est un notable. Et bah, à ce moment-là, le jeu vidéo au Japon, c'est un petit peu... Les salles d'arcade, c'est un peu le repère des petites frappes japonaises. Enfin, c'est la japonaise des années 80, des années Nicky Larson, etc. Tu vois, un petit peu, c'est un peu la culture, un peu blouson noir, on va dire. Et donc, son père va lui en vouloir, et pendant pratiquement 6 mois, ils vont pas se parler. Ça va être très simple. Mais donc du coup, comme on l'a dit, il va devenir major de sa promotion donc dans son truc. Et de là, la première chose qu'il va faire, il va rentrer chez Al Laboratory. Il va devenir employé à plein temps, le cinquième employé seulement de la boîte à ce moment-là. Alors Al Laboratory, donc on va juste faire une petite parenthèse là-dessus. C'est juste donc une boîte qui a été fondée en 1982. Alors est-ce que vous savez pourquoi Al, H-A-L? Oui. Vas-y. Parce que j'ai bien lu la préparation de l'émission, c'est les lettres qui se situent juste avant IBM. C'est bien ça. En fait, c'est un mélange de ça et de 2001, l'Odyssée Espace. Où le méchant ordinateur s'appelait HAL 9000. C'est bien ça. De Stanley Kubrick, bien sûr. Évidemment. Le grand Stanley Kubrick. Stanley, si tu nous regardes. Voilà. De là-haut, avec Iwata, sûrement. Donc il rentre chez le laboratoire et ses premiers projets en fait vont être de créer des périphériques pour ordinateurs, notamment le MSX au Japon, qui est un petit peu l'ordinateur joueur un peu numéro 1 à ce moment-là. Mais très vite, le jeune Iwata qui est vraiment le seul programmeur de jeux vidéo chez HAL à ce moment-là, va vite se tourner vers Nintendo. Nintendo dont il un petit peu, il aime bien donc les petits Game & Watch qui étaient sortis juste avant, les fameux Game & Watch de Gunpei Yokoi, vous savez, ces petits jeux électroniques qui faisaient fureur. On rappelle qu'il y en avait pratiquement 50 millions vendus dans le monde, hein, c'était quand même assez colossal. Il va vite se prendre d'affection pour cette marque et va avoir vent en fait que c'est justement Nintendo prépare son entrée dans l'univers des consoles de jeux. Pour le salon, bon, on rappelle les consoles de jeux, à ce moment-là, c'est très occidental. C'est Atari, c'est Intellivision, c'est plusieurs consoles comme ça, mais qui sont en train de couler justement en Occident. Et Nintendo donc, va se lancer là-dedans, il a eu vent. Et lui, il sent le filon, il se dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Il sent que ça, Nintendo, s'il se lance là-dedans, que ça va peut-être marcher. Et du coup, bah, il va pousser ses collègues de HAL à rentrer en contact avec Nintendo. Et du coup, il va réussir à prendre contact et avoir droit à être donc l'un des développeurs de la NES. Et en plus, pas n'importe quel développeur, ils vont avoir le droit de développer dans des licences internes à Nintendo. Alors la première d'entre eux, c'est Pinball. Tu te rappelles du jeu sur NES, Pinball? Ouais. Alors Nintendo sont en train de le développer, mais ils sont en galère, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, il y a un problème, ils n'arrivent pas à le porter, pourtant c'est rien Pinball, hein. c'est un flipper, c'est la même chose qu'on a eu pendant des années sur Windows 98, etc. quoi, veut dire. C'est vraiment cruel, mais ils n'y arrivent pas à le développer, et donc ils vont confier la suite du développement à HAL Laboratory, et donc à Satoru Iwata, qui va le débloquer très rapidement, et qui va le lancer, ça va être un franc succès, c'est les premiers jeux. À ce moment-là, c'est vraiment, pratiquement tout ce qui sort sur NES au début, c'est vraiment des gros succès. C'est de là donc la collaboration donc va commencer. Du coup, ça permet à Nintendo de voir que chez HAL, c'est des gens de confiance et qu'on peut leur confier d'autres projets et s'assurer comme ça des jeux de qualité sur la Famicom, parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui développent sur Famicom. Non, surtout qu'à l'époque, il me semble qu'ils limitaient
le nombre de jeux que pouvaient développer les éditeurs tiers, par exemple. Sachant que HAL n'était pas vraiment un éditeur tiers puisqu'ils développaient pas leurs jeux, ils n'avaient pas de licence pour créer leurs jeux et les sortir. C'était vraiment en fait plus des, c'était plus un sous-traitant de mission. Voilà, ouais. C'était une sous-traitance. Il y avait du second part. Il y avait le formidable 6 en fait de la Famicom au début. On rappelle qu'il y avait que 6 développeurs qui pouvaient. Quand Nintendo a ouvert pour la première fois, il y avait 6 développeurs qui étaient à même d'être développés sur la Famicom. Donc t'avais Namco, Square, Enix. Non, pas Enix, n'était pas encore là. Donc c'était Namco, Square. T'avais Famicom. Famcom, je sais plus comment il s'appelait celui-là. Je crois que c'est Facom. Facom. Comme les tournevis. Voilà. Et le chien de ma cousine que je savais. Non, Palcom, pardon. Palcom. Et on avait 6 comme ça. Et donc, HAL, lui, par contre, était un sous-traitant. Et d'ailleurs, ils vont faire beaucoup de jeux, en fait, qui vont être emblématiques de Nintendo sur cette NES. Et le premier gros jeu où Iwata va être vraiment superviseur, développeur du jeu, c'est Balloon Fight. Balloon Fight, bah, je vous en rappelle ce que c'est quand même, Balloon Fight. C'est un jeu qui est très 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 dur, mais il est dur, mais en fait sa difficulté n'est pas due en fait à une difficulté mal jaugée ou un truc comme ça. Non, il est dû à l'inertie de son personnage qui était voulu. Et vous allez voir que cette inertie-là en fait va suivre Iwata dans les jeux où il va prendre commande, où il va développer. Ça va être le cas pour Kirby, ça va être le cas pour Smash. Ce petit personnage un peu flottant, ce petit aspect un peu flottant, on va vite le retrouver très souvent dans les jeux. Il me semble qu'ils l'ont également utilisé dans Super Mario Bros. Parce que justement pour améliorer l'inertie de Mario qui à l'époque. Dans la flotte, ça. Dans les niveaux. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Et c'est en fait, c'était vraiment la grande spécialité en fait de HAL Laboratory, c'est ce gameplay un peu flottant qu'on va retrouver très très rapidement dans une grande partie des jeux de la marque. Et ben ça, on le doit notamment à Iwata par exemple. Donc HAL, c'est un petit développeur, hein. Il va faire donc très vite Balloon Fight, ça va être le premier gros succès de la marque. Et derrière, ben, quelques années après, il faut attendre quand même 91 ou 92, j'ai plus la note exacte en tête, c'est Kirby Adventure. Donc, Iwata développe dessus, mais n'est pas le superviseur du projet. Mais Kirby Adventure, ça va être le gros carton sur NES. Et ça va être la création d'une licence qui existe encore, où on voit pratiquement un jeu par an chez Nintendo. Mais ça va être le premier gros succès. Ça, c'était un petit peu la partie Iwata développeur. À ce moment-là, ben, on est en 92. Et HAL ne va pas bien du tout. Tu veux dire que Nintendo les paye mal? Ben, je sais pas s'ils payent mal, c'est une boîte privée, c'est eux qui se payent quoi qu'il arrive. Mais c'est juste que peut-être qu'ils sont peut-être pas assez rentables, peut-être qu'il y a des petits gaspillages d'entreprise, etc. Mmh. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur Iwata pendant sa scolarité? C'était un super développeur, c'était un surdoué, mais c'était également un premier de classe, mais surtout, c'était un leader. Ouais, manager. C'était un leader. Et ça, c'est pas tombé dans l'œil d'un aveugle. Le monsieur Yamauchi, président de Nintendo, depuis près de 40 ans, et dont, bien sûr, les liens se sont de plus en plus rapprochés entre HAL Laboratory et la maison mère Nintendo, en pratiquement 10 ans de collaboration. Et là, bah, il voit que HAL, ça va très mal, ils menacent de fermer, c'est simple. Ils ont des milliards de yens de dettes, plus de 150 millions d'euros, en fait. Et pour pouvoir les éponger, ben Nintendo avec une seule solution, c'est les racheter. Mais pour Yamauchi, pas n'importe quelle condition. Et donc qu'est-ce qu'il va dire? Bon, d'accord, on va vous racheter, donc vous allez devenir propriété de Nintendo, first party Nintendo. Mais par contre, si on vous rachète, il faut que ce soit Satoru Iwata qui soit président de la boîte et pas une personne d'autre. Ils ont refusé, évidemment. Bah, les dirigeants en place n'ont pas dû être bien contents. Hein. J'imagine. En gros, on leur dit, vous êtes des grenasses, dégagez. On veut un autre. Et du coup, ben, en 92, Iwata accepte de devenir président de HAL Laboratory. Mais Iwata, comme on l'a dit tout à l'heure, son cœur, c'est d'abord être un développeur, un gamer. C'est pas un président de boîte comme les autres. Et tout de suite, il va se remettre au travail. Donc là, on arrive donc vraiment à la période donc, des années 90. La période 90, ça va être vraiment les liens étroits que vont former Yamauchi et Iwata. D'ailleurs, on a parlé un peu de l'aspect NES. Toi, Xavier, parce que je vais pas te demander la question Valentin, puisque tu t'es même pas né pour la NES. Ni pour la Super NES, tu sais. La NES, c'est quoi? Mais est-ce que tu avais joué toi un petit peu au jeu Kirby, au jeu Balloon? J'ai vraiment pas le souvenir d'avoir fait ces jeux-là, parce qu'il faut quand même se rappeler que la consommation du jeu vidéo à l'époque n'était pas la même qu'aujourd'hui. Ah bah. On avait deux jeux par an, Noël, anniversaire, et que c'était plutôt un jeu Mario. Surtout pour toi. Parce que déjà, rien que sur la NES, on en a eu trois.
très plus, peu de temps. Plus les Dr Mario, les... Ouais, j'ai pas fait Dr Mario à l'époque sur la NES. Donc c'était... T'avais pas vu marquer Mario et t'étais pas sauté dessus. Non, mais ouais, peut-être qu'il y a ça aussi. Manque d'information à l'époque. Parce que je pense qu'à l'époque... Il y avait pas PN sur Minitel. 36-17 PN. 3,19€ la minute. Avec une zone 18+. Donc non, je peux pas dire que j'ai été ou que j'ai traversé la période NES avec les jeux HAL, parce que je pense même pas que je savais que le studio existait. Moi, le studio, je connaissais pas en tant que tel, puisque quand j'ai eu ma NES, j'avais 6 ans. Mais c'est vrai que très vite, j'ai eu Kirby. Et ça a été tout de suite une série qui m'a vite suivi après derrière. C'est vraiment une de mes séries phares, vous avez vu, hein, depuis je suis devenu le testeur attitré de la série Kirby. Il a fait une OPA sur les tests Kirby. Voilà. Hostile. Mais après derrière, c'est vrai qu'il avait ce gameplay. En fait, la volonté à la base avec Kirby, c'est de faire vraiment quelque chose de différent de ce que faisait Mario, en fait. Mario, c'était quand même... C'était plus un point A au point B. Kirby, il y avait peut-être un peu plus d'exploration. Et d'action, ça, surtout, ouais. Aussi. Il y avait de l'action dans Kirby. Mario, c'était vraiment du runner, d'amener donc Mario, comme tu dis, d'un point A à un point B, en fouillant un petit peu, etc. Alors que là, à Kirby, c'était plus... Déjà, c'était plus facile. C'est quand même beaucoup plus facile. Mais par contre, ça avait cette petite touche un petit peu plus fouillis, plus finis, les musiques étaient quand même très 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 recherchées, puisque on a tous en tête les musiques de Mario, mais c'est vrai que les musiques de Mario, c'est à la base, au début, c'était boucles. Oui. Là, c'était quand même beaucoup. Et c'était plus décontracté, Kirby aussi, c'était moins... Et il y en avait partout, il y avait des mini-jeux aussi, enfin, c'était un petit peu le Mario Bros 3 avant l'heure, quoi. Mais moi, enfin, j'ai vraiment vraiment aimé. Et donc, on en arrive, comme on dit, aux années 90, et donc, Oiwata, président de HAL Laboratory, mais toujours développeur dans l'âme, et d'ailleurs tout de suite il va se remettre au travail, et tout de suite, okay, il va pas pouvoir avoir le costume de président, il va falloir qu'il mette la main à la pâte. Exactement. Et ça va commencer tout de suite en fait en 95, où il va en fait aider les créateurs de Creature, qui va par exemple faire des spin-offs de Pokémon plus tard, à monter leur boîte. C'est lui qui va les aider à se lancer, puisqu'on rappelle qu'il a quand même de très très grosses qualités managériales. Mais à côté de ça, il va pas oublier ses amis et travailleurs de HAL Laboratory. Alors, d'entrée de jeu, il va se mettre sur la suite, en 93, sur la suite de Kirby Adventure, donc Kirby Dream Land sur Game Boy, quel jeu fabuleux. Et pour ça, il va apporter plein de nouvelles idées. Et ben, le créateur de Kirby Adventure, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais non, ça c'est pas possible. On pourra pas le faire. On pourra pas le faire. We can't do it. Non, c'est pas possible, pas sur Game Boy, et encore moins avec les idées que t'as. Et là, sort sûrement le dicton, en fait, ce qui résume le plus la vie et le truc d'Iwata. Un dev ne dit jamais non. Un développeur ne dit jamais non. C'est quelque chose qui va le suivre. Si on regarde bien, ça résume... Un chieur, le mec, ouais. Autoritaire, en plus, hein. Un peu, hein. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'en fait que ça va avancer au final. Puisque quoi qu'il arrive, lui, il est toujours arrivé. Et là, il va se mettre donc Kirby, bon, c'est dans la poche. Mais très vite, ils vont travailler sur d'autres projets. Vous savez que c'est HAL Laboratory qui fait les fameux Mother. C'est aussi développé par HAL Laboratory. Donc, monsieur Itoi. Shigesato Itoi, merci. Et là, en fait, donc Mother 2. Qui sortira bientôt aux États-Unis comme Earthbound, mais son développement est plutôt chaotique, avec plusieurs années qu'il est en développement. Les idées sont super, le scénario est ultra chiadé. Si vous en parlez à Jumpman, il pourra vous en parler pendant des heures. Mais le problème, c'est que Shigesato, il n'est pas très très doué en termes de développement, et du coup, le projet part dans tous les sens et il est insortable. Et là, vu que Iwata est président, il va quand même aller regarder, mais il va quand même retrousser les manches. Et il va dire à Shigesato, ben voilà, ton truc, c'est très bien, mais le problème, c'est que si tu continues comme ça, dans 3 ans, on y est toujours, il sortira pas, on sera passé à la nouvelle console, enfin, il sortira pas. Par contre, si tu veux garder tes idées, et si on reprend la programmation, mais si tu veux juste garder tes idées, on reprend la programmation, le jeu, il sort dans 6 mois. Ben, c'est ce qui s'est passé. Vraiment, c'est un surdoué du développement. Ouais. C'est vraiment, il a juste à se pencher sur un problème, pour le comprendre.
Et en fait, il vivait code, quoi. C'était un truc assez fou. Et c'est vrai que ce qui est très fort, en fait, c'est vrai que là, on parle un peu comme si on connaissait Iwata personnellement, mais les trois quarts des anecdotes qu'on est en train de citer, on les a sues sur la semaine après sa mort. C'est ça. Je veux dire, les développeurs se sont mis à parler, mais on a l'impression qu'il a travaillé avec tout le monde, quoi. Ouais. On a l'impression que c'est lui un petit peu la bouée de sauvetage de Nintendo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va vite aussi très très vite s'attacher à Monsieur Yamauchi. Il va vite devenir un peu le sapeur-pompier de Nintendo. Mmh. Et ensuite, avec un de ses autres amis, hein, qui est âgé de 19 ans à ce moment-là, Monsieur Sakurai. Monsieur Sakurai, vous savez, celui qui, quand il fait un Nintendo Direct, il regarde... Qui a toujours l'air d'avoir 19 ans, d'ailleurs. Voilà, oui. Et mais qui a l'air d'avoir 19 ans, mais qui a l'air de... Il faut pas l'emmerder. Quoi. Ouais, en tout cas, Monsieur Sakurai, il travaille sur Smash Bros. Sur Nintendo 64. Et ben là, pareil, il va aller l'aider, surtout pour la création de ces fameux gameplay flottants. Oui. Et on rappelle que... Mais ce qui est très fort, c'est que tu te dis Smash Bros. C'est un des jeux qui a cartonné sur 64. Et pareil, Iwata donc, va être toujours très très près en fait, des développements de Hell Laboratory. Malgré qu'il en est le président et qu'il est quand même garant. Et justement, grâce à ces deux jeux, Kirby et Smash Bros., eh ben, en moins de 5 ans, à le laboratory, ils ont passé de 150 millions d'euros de dettes à des bénéfices. C'est quand même très très fort. Et comme quoi, il a quand même très vite aussi l'esprit financier et l'esprit aussi de comment gagner de l'argent et comment bien le faire. C'était une des grandes forces de Satoru Iwata. On en arrive aussi d'ailleurs que, au final, on a dit, Monsieur Yamauchi, il se dit, là, on a quand même un génie parmi nous. Et ben qu'est-ce qu'il va faire? Et ben quand il va avoir des pépins chez d'autres développeurs, et ben il va appeler Iwata. Est-ce que tu veux pas aller les aider? Et ça va être le cas pour deux jeux majeurs de Nintendo. Un qui est en train de sauver Nintendo tout court, c'était la licence Pokémon. Et ben il va travailler deux fois dessus. D'abord sur Pokémon Stadium, qui est le jeu qui va relancer la 64, on rappelle. Et ben Pokémon à ce moment-là, les développeurs ils sont dans la mouise. Ils n'arrivent pas du tout à adapter le jeu sur une console de salon. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Iwata, il va arriver. Le problème, c'était le système de combat, comment le récupérer de la cartouche. Il va mettre en place un programme. En 10 minutes, c'est fait. Il va réussir à coder en 10 minutes un programme pour pouvoir récupérer tout le code. On est en train de nous vendre du mythe, là, mon cher Boris, un peu, non c'est ce que disent les développeurs, en tout cas, du jeu. C'est Satoru Iwata avec un S comme Super Iwata. Bon, après, sinon, c'est que c'est des pieds chez Pokémon Company aussi, quoi. D'ailleurs, on reverra que c'est à partir de là qu'il va vite comprendre aussi l'importance chez Nintendo de la licence Pokémon. Mais en tout cas, il va réussir en 10 minutes à réussir à transposer les codes du système de combat de Pokémon à Pokémon Stadium. Est-ce que c'est son seul coup d'éclat avec les Pokémon? Non, justement. Puisque à côté de ça... Dis-nous en plus. À côté de ça, ils sont en train de travailler sur autre chose. Ils sont en train de travailler sur Pokémon Or Argent. Un jeu majeur. On rappelle que là, on est en 98 au moment du développement. On est quand même 3 ans après la sortie de Pokémon Rouge et Bleu... Enfin, Rouge et Vert au Japon. Et c'était déjà le carton absolu. Et là, avec toute l'activité cross-média que Nintendo a mis, il est attendu. Et là, ils en chient. Parce que le problème, c'est qu'ils ont voulu voir plus grand, avec 250 Pokémon dans Pokémon Or Argent, etc. Mais chez Game Freak, le jeu, il rentre pas dans la cartouche. Pas mince. On rappelle qu'on n'est pas encore à l'époque des cartes. On rappelle qu'à ce moment-là, si vous avez un PC, votre PC faisait 4 gigas de mémoire. Hein. Vous imaginez sur une cartouche Game Boy, quoi. Donc, ils en chient grave. Et du coup, Iwata va arriver, il va trouver un système pour compresser les données. Et il l'a tellement compressé, qui a trouvé une idée. Tiens, vous avez votre nouvelle map, donc la map, on rappelle, elle s'appelle Johto. Si ça vous tente, hein, on peut rajouter en plus la map du premier Pokémon et faire le double, on a la place. J'imagine la tête des collègues. C'est tellement ça en plus. Mais c'est ça qui est génial avec des gens qui ont beaucoup de talent comme ça, c'est que quel que soit le problème que tu leur soumettes, ils te trouveront une solution. Mmh. Et du coup, ça te permet d'aller plus loin dans le projet en ajoutant comme ça toute une région en plus, hein, c'est ça dans Pokémon, c'est ça. La région du premier Pokémon. Ouais. La région, ils ont remis la région, les 6, les 8 grosses villes, les villages qui vont autour, etc. Incroyable. 8 arènes.
C'est un double jeu. Double jeu, et surtout c'est la surprise, parce qu'au début tu n'as que la map de... Quand tu as la carte de Pokémon, tu as la map de Johto, tu vois que Johto, etc. Et après tu vois Kanto après. Et une fois que tu arrives à la ligue, tu bats la ligue, qu'est-ce qui se passe? Et ben, tu débloques la région de... Et tu débloques 50% et tu repars sur Kanto pour 40 heures de plus, quoi. Ouais, non, mais bravo. Et ça, c'est une anecdote encore qui est sortie là récemment. Ouais, on ne savait pas. J'étais très étonné d'ailleurs de cette anecdote. Mais c'est quand même très très fort. Bah, oui. C'est vraiment des jeux que on a tous joué à Pokémon Or Argent, quoi. Mais t'as tous ma génération, on y a tous joué. Même moi, j'y ai joué. C'est pas en version. Si, j'ai joué en version. T'as joué en version Game Boy. Oui. Ah. Sur Game Boy Color. Bien sûr. En tout cas, voilà, il a quand même sauvé. On rappelle qu'à ce moment-là, Nintendo était quand même. Je courais à sa perte à ce moment-là. Enfin, c'est Pokémon Rouge et Bleu qui les ont vraiment sauvés à ce moment-là. Mais c'est vrai que grâce à Pokémon, ça a sauvé Nintendo. À un moment où la Game Boy se vendait plus, donc ils n'avaient plus d'entrée d'argent avec la Game Boy. Et au moment où la 64 ne se vendait pas. Si ils faisaient encore 2-3 années comme ça, Nintendo c'était fini. Et c'est le Pokémon qui a commencé à amasser au début leur trésor de guerre. Donc c'est un petit peu le Iwata super héros et aussi donc du coup homme de main de Yamauchi. Ah bah je pense que Yamauchi il a dû repérer la perle quand même, hein. Il s'est dit celui-là, on va pas le laisser filer. Et ben bah, on va tellement pas le laisser filer que en 2000, Yamauchi donc on le sait un petit peu sur le déclin, hein, ses rumeurs de retraite sont pas loin, etc. Même si on n'en sait rien. Yamauchi va appeler Iwata, il va dire ça te dit de travailler pour Nintendo. Ben, Iwata qui est fan de Miyamoto, etc., va dire chouette, je vais pouvoir développer aux côtés du meilleur game designer du monde. Quand tu mets, je pense, le meilleur codeur plus le meilleur game designer du monde, ça pourrait faire quelque chose de plutôt sympa. Clairement. Et donc il accepte, et donc il va être nommé par Yamauchi, chef de la division de planification de l'entreprise. C'est beau. Donc, un bon intitulé de poste. Ça fait beau sur le CV. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il foutait à ce poste-là? Il planifiait. On a vu ce que ça donnait, planning et review. Mais du coup, ça décharge, on peut dire que c'est plus lui qui s'en occupait. Tout cher. Mais en tout cas, voilà, donc il rentre donc dans, du coup, chez Nintendo, il quitte un laboratoire pour arriver chez Nintendo, donc dans le monde du comité de direction, donc en tant que chargé du planning. En fait, c'est un rôle qui lui permet d'avoir l'œil sur tous les projets qui sont chez Nintendo. Ouais. Je veux dire, par rapport à ses compétences, ça se comprend tout à fait que Yamauchi lui offre un rôle comme celui-là. Mais à son arrivée, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre place tout de suite ça? Et non. Ben non. La première chose qu'il va vouloir faire, c'est de retourner coder. Donc tout de suite, la première chose qu'il va faire ici, il va s'assigner lui-même un projet au debug de Smash Bros. Melee qui est donc pour GameCube, mais qui est dans une mouise pas possible. Sakurai n'y arrive pas, c'est plein de bugs, ça avance pas. Une petite note comme ça, tous les jeux étaient dans la mouise, ils n'avaient pas. C'est ça, c'est ça. Il veut toujours sauver la situation. Mais on rappelle que Sakurai, à la base, c'est son ami. C'est vraiment un lien d'amitié qu'il y a vraiment entre les deux. Et la première chose qu'il va faire, il retourne sur le terrain, il retourne chez Hal et Sakurai pour aller faire donc le debug du jeu Smash Bros. Melee, qui on rappelle qui est capital pour le GameCube. Et donc il va s'atteler à ça. Et bien sûr, ça va quand même marcher. On rappelle qu'après Laia, si vous regardez les chiffres, juste Smash Bros. Melee sur GameCube, c'est le deuxième jeu le plus vendu du petit cube Play School de Nintendo. c'est quand même des succès. Et malheureusement, c'est avec ce jeu que se termine la carrière de développeur de Iwata. Plus jamais il ne développera des jeux. Quand même, on va lui donner une vraie responsabilité. Alors que c'était quand même le meilleur, entre guillemets. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est en 2002. Et un certain Yamauchi veut prendre sa retraite, peut-être. Oui, mais pas forcément. Personne ne le sait. Et un certain Iwata est convoqué dans le bureau de... Allez, venez dans mon bureau à tout de suite. Yamauchi. Et je peux vous dire que là, il balise. Satoru Iwata dans mon bureau immédiatement. Gadget. Et donc en tout cas il va courir dans son bureau, mais la boule au ventre, il pense à ce moment là qu'il est viré. Le GameCube se vend pas, il y a des problèmes en plus avec les éditeurs tiers, enfin, c'est toujours un gros souci. Il pense vraiment qu'il va être licencié. Et première chose qu'il dit, Yamauchi va lui dire je prends ma retraite, est-ce que vous êtes mon remplaçant? Texto comme ça. Non, on ne m'intéresse pas. Et donc, bien sûr, il a accepté. Et donc, en 2002, il va devenir le
quatrième seulement en 100, là on a combien, là on a 113 ans, 113 ans d'histoire Nintendo, il devient seulement le quatrième président de la ferme, mais surtout le premier non issu de la famille Yamauchi, et donc désigné par ben, Yamauchi le père, on va dire, c'est ça, comme président. C'est quand même une très 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 grosse responsabilité, non? Ben c'est déjà tous les yeux sont tournés vers lui, les gens se demandent pourquoi lui. Surtout les gens se disent c'est pas un Yamauchi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la fin de Nintendo, entreprise familiale, blablabla. Je veux dire, c'est quand même une sacrée responsabilité à porter sur ses épaules. Mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément, c'est pas une tête connue. Mais À ce moment-là, les gens auraient été plus rassurés par un Miyamoto qui était quarantenaire, qui était. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est exactement le même genre de question qui se pose aujourd'hui par rapport au nom du potentiel successeur de d'Iwata maintenant. On a toujours peur des nouveaux noms qui sortent de nulle part, voilà, comme c'est ça. Et il doit en avoir des gens. Tu vois, celui-là, on regarde le CV du gars, on se dit, le gars, il est rentré chez Nintendo en 2000, et en 2002, il devient président de Nintendo. Ça la fout quand même mal pour tous ceux qui bossent depuis 40 ans derrière. Fils de dé. C'est ça, tu te dis, pourquoi? Enfin, tu es bon, avant, il a bossé chez HAL, une filiale... On bosse sur canapé. Avec Yamauchi, oulala. À votre avis, comment il est sur PN, Valentin? Au bout de 3 semaines, j'ai à son premier PN show. Que de bons moments, mon petit. Il y a des mythes comme ça. C'était pas trop gênant, la mèche. Bon, allez, enchaîne. Enchaînons. Bon, en tout cas, Iwata a un gros, gros, gros souci. Il y a du gros souci à se faire à ce moment-là. Puisqu'il arrive avec une boîte qui va pas trop mal, puisqu'il y a eu le succès Pokémon qui continue. Là, t'as une Game Boy Advance qui se vend quand même plutôt bien. Et puis, mais à côté, t'as un boulet. T'as un gros boulet qui s'appelle le GameCube. Mais il est pas sorti encore, il arrive. Ah, si, en 2002. Il est déjà sorti au Japon. Ouais, mais pas chez nous. Il y a encore tout reste à faire. Tout reste à faire, oui et non, puisqu'en fait on le voit bien au Japon que ça ne prend pas. Pourquoi? Bah parce qu'au final il n'y a pas de jeu, les jeux ne sortent pas, etc. Au Japon il me semble qu'il y a eu 3 jeux au lancement du GameCube. Oui, il y a eu 3 jeux au lancement du GameCube. Et bah qu'est-ce que va faire Iwata? Parce qu'on va dire, Iwata, nommé par Yamauchi, bah, va nous faire du Yamauchi. C'est pas ça, c'est pas forcément ça. Bah non, la première chose que va faire Iwata, bah, c'est faire du anti-Yamauchi. Et il va défaire ce que Yamauchi a fait. On rappelle, Yamauchi c'était quand même un président très rude, très à la japonaise de post la guerre de 40, c'est-à-dire très droit, très froid, très enfin le gars très discret, que t'as pas envie de voir. Voilà, bah, le patron strict, enfin ton chef. Que si private joke, que si vous êtes convoqué dans son bureau, bah, vous êtes comme Iwata, vous devenez violette, quoi. Oui. Hein, ou comme Valentin quand il a bu un coup de trop. Mais il y a des mythes sur moi qui vont se faire. On a des vidéos. Ah bon. D'ailleurs, vous pouvez l'avoir en même temps. Mais en tout cas, la première chose qu'il va faire, il va prendre contact avec Capcom, il va prendre contact avec Namco, il va prendre contact avec Square Enix. On rappelle la guerre absolue, hein, depuis FF7 sur annulé sur N64 et porté sur PlayStation, qui a fait propulser la PlayStation vers l'avant. C'est le froid absolu entre Nintendo et Square. Et Yamauchi voulait même plus entendre parler de Squaresoft à ce moment-là. Moi, je suis d'accord avec Iwata. Si jamais il y a un problème, t'appelles direct et t'as le président de Nintendo à l'autre bout du fil, t'essayes de faire quelque chose pour lui. Je pense. Surtout quand t'es un éditeur tiers qui ne possède pas de console. Je pense que si aujourd'hui... T'es un peu privé de sortie sur une console Nintendo depuis quelques années. Voilà. Tu apprécies le réchauffement. Tu reçois un coup de téléphone du président. Bah, t'es pas forcément privé. Je veux dire, quoi, ils n'étaient pas forcément besoin tellement ça se vendait. Tellement plus à ce moment-là, la PlayStation 2 était déjà dans la stratosphère. Ils n'avaient pas forcément besoin de ça, mais c'est vrai que lorgnait beaucoup Square Enix, c'était pas forcément le GameCube, mais le Game Boy Advance. Parce que Game Boy Advance était aussi le périphérique numéro 1 dans son secteur, c'est-à-dire marché des consoles portables. Ouais, ils étaient Iwata va passer un deal très simple, hein, si vous voulez faire des jeux sur Game Boy Advance, faites-nous quand même un jeu sur GameCube. Du coup, va arriver au Crystal Chronicle sur GameCube, et à côté, donc Final Fantasy Tactics Advance, le formidable Final Fantasy Tactics Advance sur Game Boy Advance. Et là, ça va être rené, parce que vous allez me dire, Crystal Chronicles, c'était pas un jeu majeur, même si Nintendo l'a bien vendu, etc. Mais c'est vrai que c'était pas un vrai Final Fantasy, c'était pas un jeu canonique. C'est pas FF10 qui allait en face, quoi. Mais grâce à ça, grâce à ces situations retournées, et quelques années plus tard, il signe l'exclusivité quand même de Dragon Quest 9 et 10.
et surtout du neuf, qui s'est vendu ô combien pour la DS, qui a fait vendre combien de consoles DS. C'est grâce à ce partenariat-là, à ce moment-là, qu'on a eu après. Oui. Avec Capcom, c'est pareil. Parce que c'est des relations qui doivent se nouer sur la durée. Le long terme. Là, la sortie de Crystal Chronicles, ça permettait de sortir un jeu rapidement sur le GameCube. Mmh. Parce que en 2002, comme tu le dis, ils savaient déjà que la console ne durerait pas 15 ans, de toute façon. Oui, c'est sûr. Donc, mais en plus, ils faisaient l'effort, Square Enix. C'était quand même Final Fantasy Crystal Chronicles. C'était le porte-étendard de la Nintendo Différence voulue par Yamauchi, qui était la compatibilité entre la Game Boy Advance et le GameCube avec le câble de liaison. Mmh. Je veux dire, c'était le jeu porte-étendard. On rappelle, c'est le premier jeu avec lequel il s'était vendu avec le câble. Il y avait Force World est sorti après. Force World après, et t'avais Wind Waker qui était sorti avant, mais par contre... Il n'y avait pas le câble. Il n'y avait pas le câble inclus. Mais c'était vraiment le jeu avec le câble, quoi. C'était vraiment le jeu pour lui. Et à côté de ça, il va signer avec Capcom aussi, le formidable 4. Le formidable, vous en rappelez, PN03, Killer 7, Killer 7 et Dead Phoenix. Ouais. Dead Phoenix, c'est un jeu de dragon qui n'est jamais sorti au final. Mm. Et à côté de ça, l'exclusivité de la série Resident Evil. Toute la série, Capcom à ce moment-là voulait une console qui accueillerait tous les Resident Evil. Et bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Le fabuleux Resident Evil Rebirth sur GameCube, le Resident Evil 0. Qu'on aime ou qu'on aime pas, mais il avait la chance d'être là, exclusif. Et regarde, l'exclusivité a sauté que cette année, quoi, 15 ans plus tard, quoi. Oui. La ressortie rare, en plus, du 3 Nemesis et du Code Veronica. Et puis, l'exclusivité, qui a été au final plus temporaire, parce que c'est pas forcément bien vendu, de Resident Evil 4, qui est ô combien fabuleux, et qui est sûrement le plus beau jeu de toute cette génération-là, Xbox, GameCube et PlayStation, et PlayStation 2 réunis. C'était quand même des projets majeurs et ils ont réussi à... regarde, avec Beautiful Joe, c'était génial. Bah, c'était Camilla, Beautiful Joe. Camilla qui a fait donc derrière... on va voir qu'avec Camilla, il va entretenir quand même des relations plutôt cordiales pratiquement pendant toute sa carrière. Il va ressusciter Bayonetta, Wonderful N1. Enfin, il y a eu deux Beautiful Joe en plus sur le cube. Ça a été... c'était quand même quelque chose de plutôt... Sacré changement. Bah, on a revu les tiers sur GameCube. Même s'ils n'étaient pas tous là, par exemple, il manquait Eidos, il manquait quelques-uns comme ça, ils étaient là. Il y avait, on veut dire, le GameCube, il y en avait quand même beaucoup. Et c'est aussi de là qu'il va s'instruire les partenariats aussi. F-Zero, développé par Sega, et ben c'est grâce à la présidence d'Iwata. Les relations avec Namco, la Triforce. Oui. La Triforce pour l'arcade. C'est aussi... C'est à l'initiative d'Iwata. C'est ça. Pareil pour Minish Cap. Avec mais Capcom. À ce moment-là, Iwata, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que perpétuer l'héritage de Yamauchi. C'est-à-dire que lui, il est arrivé, il a hérité d'une console qui était fraîchement sortie du GameCube, qui n'était pas forcément bien, donc il va essayer d'en tirer de mieux. Et au final, niveau jeu, il n'y a pas à se plaindre sur Cube. Oui, il y a de très bons jeux. Très 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 bons jeux. À côté de ça, il y a un autre quack qui est Game Boy Advance, qu'on dit que c'est la console un peu des... On va dire la console, la SNES portable, hein, a raison, puisqu'au final, il n'y a que des portages dessus. Mais là, pareil, il va mettre aussi un peu les équipes de la laboratoire dessus. Je veux dire, par exemple, il y a eu le développement chaotique de Mother 3 sur N64, qui au final jamais vu le jour. Qui s'appelait Earthbound 64 à l'époque, ouais. Et qu'est-ce que va faire Iwata? Eh bien, il va aller aider une nouvelle fois, mais cette fois-ci juste en conseil et non plus en développement. Il va aller aider M. Itoi pour pouvoir ressortir donc, ce jeu-là, mais sur Game Boy Advance. Au final, au Japon, ça reste un jeu majeur du Game Boy Advance. Dont beaucoup de gens attendent sa sortie en Europe un jour, ils l'espèrent toujours, mmh. Mais... en tout cas, les années GameCube, donc, il fait juste perpétuer. Mais dans l'idée, c'est quand même de mettre sa patte à un moment donné. Bon, déjà, il l'a mis avec la rentrée des éditeurs tiers. Et bien, il va se dire quelque chose quand même plutôt d'intéressant, puisque donc il va vite commencer un petit peu à sortir médiatiquement, puisque Iwata un peu tranche dans le vif avec Yamauchi, on verra que c'est un homme de communication juste après, mais pour ça, déjà, il est international, il parle anglais, même si au début c'est quand même très sommaire, il parle anglais. Jamais Yamauchi aurait parlé anglais. Miyamoto, regardez, il essaye de temps en temps, mais ça, c'est trois mots quoi qui se courent après. Oui. Même si lui aussi avait quand même beaucoup d'efforts, c'est bien amélioré depuis. Oui, il a acheté Bill Trinel. Il a acheté Bill Trinel, c'est vrai. Il s'est acheté un Bill Trinel. Ne sortez pas sans lui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire?
Et ben, ce qu'il va faire, ben, il va se lancer, en fait. Il va lancer un petit projet, parce que lui, dans sa tête, il va l'avouer plus tard un peu, hein, il va le dire texto comme ça, ben, que pour la seule façon ben, pour continuer à faire vivre le jeu vidéo, c'est d'élargir le cercle de gamers. Parce que le problème à ce moment-là, c'est que c'est segmenté. Nintendo, entre guillemets, c'est gamin. C'est vraiment entre guillemets. Déjà, à l'époque. Ah oui, bah, ça a toujours été. Avec le GameCube. Ça a toujours été. Le GameCube, ça a été le pire. Ah, si, le si. GameCube, ce morceau de plastique. Dès que la Mega Drive se positionnait comme la console pour les vrais joueurs, tu vois. Et la Super NES, c'est la console pour les enfants. Mais la pire, ça a été vraiment à partir du cube. Le cube, c'est ce morceau en plastique. Le cube en plastique, tout le monde l'appelait la console Play School. Ça veut tout dire. Play School, c'est jouer de 1 à 3 ans. Quoi. C'était à ce moment-là, c'était le pire. Et. Donc, la seule chose qui se dit, bah, pour augmenter bah, nos ventes, quoi qu'il arrive, les gamers, soit ils sont aujourd'hui, soit ils sont vraiment gamers et ils sont ancrés plutôt PlayStation, bah, soit il nous reste que en fait, la génération à préparer, quoi. C'est-à-dire on n'a plus que ça. Et bien, bah, la seule chance, c'est d'agrandir. Et bien, bah, il va lancer deux projets. Le projet Nitro d'un côté, donc la fameuse DS qui arrivera derrière en 2004, et un projet Révolution derrière. Mais le projet Révolution, de toute façon, on n'en est pas encore. Là, on est en 2004. La DS sort. Et là, carton absolu. Le pari est totalement réussi. On rappelle qu'à la base, pourtant, c'était une expérimentation. Et Iwata vendait donc cette DS comme une expérimentation. On veut tester le marché. Si ça marche, tant mieux. Mais si on fait 15 millions, on est content aussi. Et on continuera à faire des Game Boy Advance. Et là, il est pris de court par toute la folie qu'il y a eu derrière. Ça a été un petit peu difficile au début de la tank. Mais après, derrière, ça a vite oui, pris. Parce que c'est surtout à partir de la DS Lite que la console a quand même explosé. La tank a quand même réussi à faire un super démarrage. Elle est en rupture de stock au démarrage. Et ensuite, par contre... Bah, c'est quand même rare qu'une console Nintendo ne fasse pas une rupture de stock au démarrage. Il y a toujours l'attente... Même que la Wii U, elle était en rupture de stock au démarrage. Même la Wii U était en rupture de stock au démarrage. À minuit, le jour même. Le lendemain, il y en avait déjà sur les rayons. Il y avait des retours clients. Enchaîne. Voilà, merci. Je t'en prie. C'est cadeau. Et donc, voilà. Donc, son but, son leitmotiv va être d'élargir donc le public des consoles. Et on peut dire qu'ils veulent réussir très très vite. Avec la DS qui marche, et ben en 2005, qu'est-ce qu'ils annoncent? Le projet Révolution. Là, pareil, on fait du neuf avec du vieux. C'est-à-dire que notre but, c'est juste d'évoluer notre GameCube. Je vous rappelle, c'est une base GameCube, la Wii. Hein. Mais pour l'ouvrir à un plus grand nombre. Et ça va donner la Wii avec sa télécommande, etc. La présentation de l'eSport, etc., etc. C'est quand même plutôt fou. En l'espace de 2 ans, il va donner naissance aux deux consoles les plus vendues de l'histoire de Nintendo. 150 millions pour la DS, 100 millions pour la Wii. C'est quand même assez impressionnant. On peut dire c'est une belle empreinte. Bah, c'est, ouais, c'est pari réussi, on va dire. Ça fait quelques consoles. Pari réussi, non? Bah, carrément. Surtout que, pour être honnête, bon, la Wii, le buzz a fait qu'on a senti que ça allait marcher. Mais au départ, on est quand même très 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 circonspect par rapport à la DS. Comme on disait au début, la DS tank, ça se vend, mais c'est quand même pas... Non, et surtout, hein, surtout on attend Kawashima avant au moment des annonces, parce que les annonces ont eu un petit peu lieu en même temps, au moment des annonces, tous les fans de Nintendo ont peur de la PSP. La PSP qui est impressionnante techniquement. Et oui, parce que justement, les consoles concurrentes, elles se positionnent sur ce créneau de la console très avancée technologiquement, avec des visuels pas en haute définition, mais de très bonne qualité, par rapport à la DS et la Wii, qui, elles, restent sur des technologies un peu... Allez, un peu plus austères, ouais, voilà, un peu vieillissantes, qui est le gros risque pris par Iwata avec la Wii et la DS. C'est l'arrêt de la course à la technologie, ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est là où vraiment Iwata va exploser. Puisque Iwata, quand même, on a l'habitude de le voir sur le salon E3, par exemple, dans les conférences depuis le début, il essaie de parler en anglais, etc. Mais très vite, il va prendre plaisir à cet exercice. On l'a vu, hein, par exemple, quand il monte sur scène pour présenter la Révolution, il en profite pour taquiner Reggie. Il a lancé Reggie en 2004. Hein. C'est sur sa décision qu'il est mis en scène pour la conférence Nintendo de 2004. Ensuite, derrière, il va donner la réplique à Reggie en 2005 avec la présentation de la Révolution. On voit qu'il prend plaisir à montrer les objets, etc. On voit quand même qu'il y a toujours cette âme de développeur, mais on en reviendra un petit peu plus tard par rapport à ça. Mais à côté de ça, comment dire, on le voit évoluer en fait, Iwata, tout le long. On le voit chaque année à l'E3 et on sent quand même que c'est quelqu'un qui est un peu différent. C'est pas un président comme les autres. C'est un président, mais qui aime bien aussi se montrer, qui aime bien. Plaisanter. Qui aime bien plaisanter, et surtout qui aime parler de ce qu'il fait.
il très très vite, on le voit que tous les projets, même les moins importants, on va le voir en 2008 par exemple pour le Vitality Sensor, où il nous fait un laïus d'un quart d'heure que tout le monde s'en fout, mais on le voit qu'il sent, il le croit à fond ce truc. On voit en fait qu'à chaque fois qu'il présente un truc, c'est pensé, c'est réfléchi, mais il croit à son produit, il croit au potentiel, bah oui. Et surtout, il va croire aux hommes qui sont derrière. Et c'est comme ça qu'il va lancer un des premiers gros rendez-vous de Nintendo. C'est les Iwata Demand, les Iwata Ask, qui va lancer à partir de 2007, où ben, il invite des développeurs pas forcément connus de Nintendo à venir présenter leurs jeux. Mais toi, Xavier, je sais que t'aimes bien ces rendez-vous. Ah, mais c'est des vraies mines d'or. Je veux dire, c'est sans doute avec les Iwata Demand que tu as le plus d'informations sur les conditions du développement d'un jeu. Et même des fois, on se pose des questions, on se dit, mais comment ils en sont venus là? Comment leur est venue cette idée? Et ces Iwata Demand étaient l'occasion pour nous d'en savoir plus sur les circonstances. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment adoré et j'en ai lu un bon nombre. Et tout à l'heure, tu disais sa proximité avec... quand il allait sur des projets, les choses comme ça, les voix à demande, ça montre vraiment ça. Il était vraiment proche des développeurs, alors poser des questions, même des fois... Bah, il comprenait... On voit qu'il est développeur et qu'il pose des questions de développeurs. Ouais, il comprenait tout à fait ce dont parlaient les développeurs. Et même des fois, par exemple, il comparait avec... par exemple, moi, à l'époque, j'aurais fait ça comme ça. En fait, il comparait vachement... Oui, c'est en fait... C'était vraiment très, très bien. Plus fort avec ça, c'est qu'il va mettre en avant, non pas le jeu, mais le métier de développeur. Je veux dire, et aussi des têtes qu'on ne connaît pas. Je veux dire, c'est pas tout le temps Miyamoto ou Anuma. C'est tous les développeurs qui étaient invités, même les développeurs tiers. Après, plus tard, on a eu Warren Spector, il y a eu Camilla qui est venu plusieurs fois. Enfin, c'est de mettre en avant les équipes derrière. Et c'est le premier à faire ça. C'est le premier à sortir des têtes aussi. Et aussi pour les consoles, c'est vrai que c'était très intéressant. Tu vois, il y a les prototypes, des choses comme ça. Je me souviens pour la 3DS XL, ils avaient fait une 3DS XL transparente pour voir comment ça rendait, ou la place, des choses comme ça. C'est vraiment très abouti, ces rendez-vous. Et ils étaient conçus pour être intéressants, de toute façon. C'est fait exprès pour, effectivement. Voilà, on sentait quand même que les questions étaient tournées. On ne bloque pas une après-midi du président de Nintendo pour ne rien dire. C'est de la communication, quoi qu'il arrive avant tout. C'est très bien fait. Le but est de faire parler du jeu aussi. Du coup, je ne sais pas s'ils arriveront à pérenniser ça dans le futur, mais c'est vrai que ces interviews étaient quand même très intéressantes. C'était un développeur. C'était un développeur qui parlait aux développeurs, et tu sentais quand même qu'il y avait une relation de confiance entre les équipes, quoi. Vraiment un respect mutuel entre les gens, c'est vrai. Et donc c'était un rendez-vous quand même qu'il a vite pérennisé. Dans le même chose, donc je vous citais la phrase en intro, une de ses célèbres phrases, parce que aussi il a fait beaucoup de keynote à la Games Developer Conference. Il aimait aussi parler aux jeunes développeurs, aux jeunes pousses. Donc Games Developer Conference, on rappelle qu'il y a lieu au printemps aux États-Unis, qui est en fait un salon professionnel où se passe en fait, San José, ouais, où il y a des conférenciers, des maîtres conférenciers qui viennent un peu exposer pendant une heure. Un peu leur vision du métier, ouais, et leur expérience. Ouais. Et Iwata lançait en 2005 cette fameuse phrase, donc que sur sa carte de visite, il était président de Nintendo, mais que dans sa tête, c'était un développeur avant tout. D'ailleurs, on ressent toute sa vie, on ressent ça. Et dans son cœur, c'est un gamer. Et ça se voit que c'est un gamer. Parce que c'est vrai que quand il nous parlait des jeux, on sentait qu'il y avait joué. On sentait que, c'est pas quelque chose, c'était marqué sur un prompteur, mais je veux dire, on sentait qu'il comprenait toutes les ficelles de A à Z du jeu. Quoi. On sentait que c'était pas un vulgaire communiqué de presse écrit, on sentait qu'il avait vécu les choses qu'il disait parfois, c'était vraiment très très bien. Et d'ailleurs, on a toujours senti qu'à chaque fois que ce soit les échecs ou les succès, qu'il vivait à fond les problèmes. D'ailleurs, on va le voir, c'est ce qu'on dit aussi, c'est qu'Iwata était un président un peu... c'est un président quand même d'une des boîtes, à ce moment-là, en 2007-2008, Nintendo est une des boîtes les plus cotées au monde. Je veux dire, grâce à sa vision avec la Wii et la DS, il réussit à faire donc une des meilleures cotations en bourse de l'histoire d'une entreprise multinationale. Il fait de son ancien dirigeant, qui est toujours propriétaire en partie de Nintendo, la première fortune du Japon grâce à la cotation boursière. Et à côté de ça, t'as le président... qui est un petit peu plus... qui est libre, qui fait pas hautain, tu sens qu'il est proche des gens, tu sens qu'il est proche des équipes, des développeurs, mais même limite des joueurs aussi, tu le sens, je vois qu'il prend la parole. On va voir tout de suite qu'avec les E3, avec les trucs, il parle non seulement à l'assistance, mais il parle aussi à ceux qui sont derrière l'écran, qui regardent ça. Et c'est ça qui est très fort, parce que c'est vrai, c'est souvent des mots simples, c'est jamais des... Depuis qu'on a eu les E3 de 2006, depuis l'E3 de la Wii, etc., ça a toujours été des E3 tournés jeu, même si il y a eu des moments de flottement. On rappelle un peu la fameuse E3 2008 avec etc., mais c'était quand même du jeu. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de blabla sur les chiffres qu'avant.
Rappelez-vous, Georges Fornay qui est arrivé, qui énumérait les ventes dans chaque région, dans chaque ville américaine. Voilà. Ah, la belle époque. En fait, la communication va vite, vite changer. Et on en arrive donc en 2010, la Wii et la DS commencent à avoir un petit morceau de creux, et il est temps de penser à la suite. Sauf que le problème, on peut voir aussi que sur la grande force de l'Iwata de 2002 à 2010, c'est d'avoir toujours su être en mouvement. Il n'a jamais s'est reposé sur les lauriers, donc déjà il a tout donné sur la GameCube quand il est arrivé, mais ensuite quand il a vu que ça marchait pas, il a tout de suite mis en chantier d'abord la DS, ça a marché, il a mis en chantier la Wii, il va mettre en chantier après derrière plusieurs systèmes de communication, il va mettre aussi... Il y a toujours quelque chose qui est en chantier en plus. Ouais, ouais. C'était ça. Tu prends même par exemple, ne serait-ce que le passage de la DS à la Tank à la DS Lite, je veux dire... même sous sa commandement, il y a eu le passage de la Game Boy Advance à la Game Boy Advance XP, etc. C'est la première fois aussi que les consoles changent de design, etc. Les consoles portables, en tout cas. C'est toujours en train de bouger. Et à côté de ça, même le système de communication, parce que ce qui est très fort aussi avec la Wii, c'est qu'ils ont trouvé la façon de communiquer avec. Je veux dire, pour la première fois, on ne voyait plus les jeux à la pub, mais les gens en train de jouer. Et c'est aussi une partie des choses qui ont fait que les gens ont acheté la console. Mais malheureusement, ça n'a pas forcément fait du bien à Nintendo. Oui. On l'a vu, hein, la console raclette, etc., etc., etc. Et on arrive au moment où il faut changer encore une fois. Et ben là, pour la première fois en pratiquement 10 ans de carrière, ben Iwata va pas vraiment changer. Il va se reposer un peu sur ses acquis. De là vont être la 3DS et la Wii U. Ben là, c'est un petit peu le drame. Bah, moi, je pense pas que la 3DS, ce soit le Iwata qui se repose sur ses lauriers, dans le sens où... C'était une innovation. Une console 3D, c'était hyper audacieux. C'est juste que le public... Bah, ils l'ont vite oublié, la 3D. Très vite, il y a eu des problèmes. Tu disais justement, le problème, c'est qu'avec la Wii, ils pouvaient montrer les gens en train de jouer, montrer le concept. Avec la 3DS, le problème, c'est que tu pouvais pas montrer ce qu'apportait la 3D à la télévision, parce qu'on ne pouvait pas le voir. Non, mais en plus, il y a des erreurs stratégiques, toi, à la base, qui est le prix... aussi, le catalogue pas forcément puissant. Ouais, il y a l'orgueil de Nintendo qui a rattrapé Iwata au galop pour la 3DS en termes de positionnement tarifaire, mais en termes de technologie, l'écran 3D était une très bonne idée. Et surtout, ce qu'ils n'ont pas vu venir, où Nintendo était très arrogant aussi, c'est qu'en face, c'était une concurrence qui commençait à naître, celle des smartphones et des tablettes, qui ont fait énormément de mal au marché portable. On le voit aujourd'hui que le marché portable est sinistré. On peut même dire ça pour Nintendo aujourd'hui, je veux dire, ils vendent quand même 3 ou 4 fois moins de DS que l'année dernière. Tu peux même voir par exemple que je ne sais plus quel jeu est sorti, bah, il y a le Fire Emblem il y a quelques semaines qui a fait 400 000 en première semaine, mais malgré qu'il fasse 400 000, avant quand tu avais un jeu qui lançait aussi fort t'avais à sa sortie, t'avais 100 000 consoles qui se vendaient, là t'en as même pas eu 20 000. Donc tu sens après, même après, le marché. Japon, je pense que le marché japonais est saturé après au niveau saturé, de consoles. Et aussi, je pense que t'en as plus vraiment. Qui ont envie de ces consoles portables. Oui. La preuve que même les jeux qui ont cartonné, Fantasy Life, Layton, etc., arrivent sur smartphone. Là, tu sens que le marché est en train de basculer, que c'est un marché qui est en train de mourir, tout simplement. Peut-être que la 3DS, c'était la dernière console portable. Pour le moment, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais on peut l'envisager. Bah, surtout avec les annonces du mois de mars, avec l'arrivée sur smartphone. On peut largement l'envisager. Et là, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ça n'a pas forcément fonctionné au début. Et du coup, bah, Iwata, qu'est-ce qu'il va faire? Et bien, bah, au lieu de faire tomber les têtes, etc., et bah, il va prendre la responsabilité de tout ça. Première chose qu'il va faire, c'est de diviser son salaire par deux. Un salaire, déjà, c'est une des plus grosses entreprises au monde à ce moment-là en cotation. Son salaire est d'environ 1,7 million d'euros l'année précédente. Annuel. Oui. Ben, si tu compares par exemple un gros patron à côté, c'est 4 à 5 fois moins. Je trouve que c'est bien de... En fait, c'est un président assez spécial parce que la plupart des présidents auraient licencié ses salariés pour une telle erreur. Ouais, mais ils n'auraient pas baissé son salaire. Parce qu'ils savaient que c'était difficile de trouver des gens de compétents. Surtout qu'ils disaient que le problème c'est qu'on n'a pas assez de jeux, etc. Si j'enlève mes développeurs, qui c'est qui va faire les jeux? C'est ce qu'il a dit. C'est texto qu'il a dit. Et c'est encore quelque chose qui va à contre-courant de ce qui se faisait à ce moment-là. Qui se fait toujours, d'ailleurs. C'est ce qui est plutôt pratique courante, d'ailleurs. C'est quand même Sony qui est licencié par pelle de 6 000 employés par an, pratiquement pendant 3-4 ans entre 2009 et 2013. Le problème de Nintendo, c'est que c'est pas une grosse entreprise en termes d'employés. Ils ont 3 000, s'ils en enlèvent 6 000, ils sont déjà déficitaires. Donc on en est là. Arrive derrière la Wii U, et encore patatras la Wii U.
Mais gros patatras. La Wii U, le four peut s'expliquer pour plusieurs raisons. La première, c'est que Nintendo avait 2 ans de retard sur la sortie de la console par rapport à ce qu'ils auraient dû faire. Puisque la Wii en haute définition, je crois que les joueurs la réclamaient depuis 2009 en fait. Oui. Il aurait fallu que Nintendo réagisse beaucoup plus tôt qu'ils ne l'ont fait. De la même façon qu'ils étaient un petit peu orgueilleux avec la 3DS en nous la vendant à 250€ à la sortie, autant là ils se sont dit on va faire une Wii en HD en la sortant en 2012, c'est-à-dire 6 ans après la sortie de la Wii, et ce sera suffisant. Et malheureusement ça n'a pas été. Ça n'a pas été suffisant, surtout qu'on commençait déjà, on était à 3 mois des annonces de la PlayStation 4 et de la Xbox One. Qu'on savait qu'il allait arriver. On savait qu'il allait avoir les annonces justement, on avait déjà les dates des plannings, etc. Donc c'était un pavé dans la mare. Mais malgré cet échec, il va encore diviser son salaire par deux. C'est-à-dire, à la fin. Il paye, c'est lui qui donne le. Voilà, c'est lui qui donne. C'est lui qui les achète, les Wii U. et au final, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Et bah, il va se dire, bah, il faut quand même travailler. Et donc, il va remettre la machine en avant. La machine à idées. De là va naître bah, les Amiibo. C'est une idée d'Iwata. Le concept est imaginé par Iwata, j'avais fait une vidéo sur ce sujet. J'étais étonné de la manière dont il l'a imaginé. C'était dans un train ou quelque chose comme ça. Quand j'avais lu l'anecdote, j'avais trouvé ça incroyable, donc j'avais fait une info tout de suite. C'était dans un train ou quelque chose comme ça, ouais. Il a imaginé le concept et le fonctionnement des Amiibo dans un voyage en train, il a tout mis ça sur le papier et c'est devenu les Amiibo. Comme Yokai en ce moment. Mais est-ce que tu sais justement, en fait, qu'au final c'était un petit peu le serpent qui s'est mordu la queue avec les Amiibo? Pourquoi ça? C'est un peu le quadrature du siècle, enfin la boucle est bouclée quoi. En gros, quand il imagine Smash Bros avec Sakurai en 95, Yamauchi n'en veut pas. N'en veut tellement pas parce qu'il veut pas voir en fait tous ces trucs en train de se battre, en fait toutes ces licences en train de se battre. Il veut pas que Mario se batte. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Smash Bros c'est pas vu comme ça, c'est pas les personnages qui se battent, mais en fait c'est un combat de figurines. Imaginer que en fait c'est des figurines qui se battent. D'ailleurs les Amiibo aujourd'hui, les Amiibo Smash Bros, c'est les figurines justement qu'on a aussi en trophée quand on les récupère. Tu vois, je regretterais de ne pas avoir eu un Iwata demande complet sur les Amiibo. Mm. Parce que ça aurait été tellement été intéressant de savoir comment ils ont les prototypes, comment ils ont abouti à ça. Ça aurait été vraiment quelque chose de très intéressant. Et un peu, on va dire les Amiibo au final, ils laissent une trace positive dans l'histoire de Nintendo, puisque c'est son dernier projet à avoir vu le jour. Ce sont les Amiibo et ça reste un succès. Au final, quand il s'est remis à travailler, ben la cash machine est revenue et le succès est revenu. D'ailleurs, Nintendo, en plus, c'est presque un symbole. Il meurt au moment où Nintendo revient dans le vert. En gros, il est parti en laissant la maison nickel, quoi. Il est parti en laissant la maison toute propre. C'est presque une jolie image, quoi. Mm-hmm. Le mec qui a tellement rapporté d'argent à Nintendo, qui a été critiqué quand même pendant 3 ans. Critiqué, même si au final, ce qui était énorme, c'est que les actionnaires n'ont jamais bronché. La pire défiance a été 77% de popularité. C'est énorme. Ils avaient confiance. Et il l'a remis sur les rails. Et il a laissé, on va dire, un petit peu du travail à ses successeurs. Avec tous les projets en cours qu'il avait. Puisqu'il a des projets, depuis un an, il annonce des projets. Et on dirait presque qu'il en a annoncé tellement. Peut-être que maintenant qu'on sait qu'il est mort, qu'il se savait malade. Parce qu'il nous a caché. On rappelle, il y a encore un mois, il nous disait, il expliquait ça que de sa non présence à l'E3, du fait qu'il avait sa conférence investisseur en fin juin, où il est allé en plus. Conférence investisseur où il est allé, mais il expliquait justement qu'il avait du boulot par rapport à ça. Mais au final, on peut s'imaginer que non, quoi. Ça allait peut-être pas trop bien et qu'il fallait qu'il évite de prendre l'avion, sans doute. Mmh. C'est ça en fait. Son médecin lui avait conseillé de ne pas prendre l'avion sur de longues distances. Mmh. C'est pour ça qu'il n'est pas allé à l'E3 au final. Et au final, on se dit toutes les annonces, mais c'est pas du genre Nintendo de faire une annonce tous les 3 mois comme ça aussi dispersée. Ben, c'est peut-être qu'au final que. Il voulait annoncer ses derniers projets. Et donc, on va les rappeler. Donc, le premier un petit peu qui a été le pavé dans la mare, c'était le contrat avec Disney. Mmh. Un petit peu avant, il y avait Quality of Life déjà. Il y a Quality of Life qui était exactement, t'as le Quality of Life qui était en machin. Disney, la NX. Donc, les jeux sur smartphone, la NX, la nouvelle console Nintendo, où on sait maintenant que ça va être une console de salon. Au moins. Ça va être une console de salon. Ça veut dire quoi? Ça pourrait trop. Ça veut dire quoi? Au moins. Moi, j'y crois de moins en moins. J'y crois de moins en moins aussi. Mais voilà, c'est pour ça que je rajoute le. Allez, ce sera une console de salle demain. Voilà. Console de choc. Non, ça c'était la Wii. Oh, vous êtes méchant avec la Wii. Nintendo Land. Et donc, du coup, on est en India. Donc, la NX.
Et récemment, donc, les parcs d'attractions, le contrat avec Universal Studios. Ben, ça va être tout simple. C'est que au final, ben, ça va être au successeur de lancer ses projets. Mais on va vite revenir derrière avec les successeurs, puisqu'on a un dernier point de communication qu'on n'a pas parlé. Que malgré tout ça, cette période un petit peu creuse depuis 5 ans, où ben, on va dire les ventes sont un peu en dents de scie, où Nintendo est 3 ans d'affilée dans le rouge, qui n'aurait été jamais arrivé. Mais voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller parler aux gamers. D'abord, la première chose qu'il va parler, c'est être des paroles sans forcément être des paroles. Ça va être, on est en 2009, la Wii ne se vend plus trop, mais le problème, c'est qu'on sent bah, que le grand public qui a acheté notre Wii, bah, il va peut-être pas forcément nous suivre. Qu'est-ce que Iwata va faire? Qu'est-ce qu'Iwata et sa politique va faire? Eh bien, aller repêcher les gamers qu'ils ont perdus pendant la période Wii, en leur offrant leur jeu. C'est comme ça que pendant un an, sur une période entre 2010 et 2011, où on va avoir pratiquement un jeu par mois fait pour les gamers. C'est-à-dire qu'on va commencer tranquillement avec quand même Monster Hunter au Japon, c'est quand même pas rien. Petite franchise. Voilà, petite franchise un petit peu, en plus piqué à Sony. Monster Hunter, on va voir donc Red Steel 2, on va voir Sin and Punish, mais on retour en plus d'un jeu très gamer, très marqué, parce que si ça c'était ça, Iwata c'était un vrai gamer qui aimait vraiment les jeux vraiment très de niche, et c'est comme ça qu'on va avoir des magnifiques perles sur les différentes consoles Nintendo, qui vont pas forcément se vendre à merveille, mais on sent qu'il a voulu les savoir. Donc Treasure avec Sin and Punishment, on va voir Mario Galaxy 2, on va avoir Metroid Other M, on va voir Zelda Skyward Sword, on va avoir Donkey Kong Country qui va revenir, on va avoir GoldenEye qui va revenir, on va avoir du Kirby qui va revenir alors qu'il n'avait plus fait de console de salon en plateforme depuis la 64. Enfin Et puis les RPG, Xenoblade... Et après derrière la trilogie, les RPG étaient déjà sortis au Japon, c'est vrai qu'arrivent après en Europe, etc. Xenoblade, Pandora et la story. C'est la première chose. Ensuite, il va se donner à cœur de faire renaître régulièrement les séries un peu vieilles. Donc, on l'a dit pour Donkey Kong Country, par exemple, sur Wii, mais ça va être pareil au moment de l'annonce de la 3DS. Et ben la résurrection de Kid Icarus, alors qu'on rappelle qu'il y a eu des annonces depuis 10 ans là-dessus. Pikmin, Luigi's Mansion, Yoshi Island, c'est tous des exemples de séries qu'on n'a pas revues, Star Fox cette année. Il est à l'écoute, il veut vraiment, cette fois-ci, entretenir. Ça va être vraiment pendant ça. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'il va faire? En plus de leur parler dans leurs yeux, il va leur parler dans les oreilles, directement, directly to you, grâce à la création des Nintendo Direct en 2011. Ces Nintendo Direct, on va dire qu'ils sont devenus un petit peu le... Mythique. C'est le projet phare d'Iwata, au final. C'est le moyen de communiquer de Nintendo aujourd'hui, pratiquement, numéro 1. Alors, Iwata, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en plus dépoussiérer sa fonction. On rappelle au début, le premier Nintendo Direct, il est tout rigide dans son costume, ça va pas très bien. Et très vite, on va voir qu'il va s'amuser à faire ça. Il va se déguiser, rappelle-toi, quand il est déguisé à... Quand il est Red, Miyamoto, qui a l'aspirateur, etc., qui se chambre, le combat avec Reggie. Ça, c'est le meilleur. C'est ce qu'il y a de plus beau. Enfin, les... C'est quand même... Mais en costume. Toujours en costume. Il va aussi lancer par exemple en Europe Shibata. C'est lui qui va le présenter à... Ça va devenir une nouvelle tête pensante. Personne ne le connaissait. Ça va devenir une tête pensante. Et il est lancé par Iwata. C'est Iwata qui nous le présente. C'est quand même assez fou en fait ce qu'il a fait avec ça. Et tellement ses rendez-vous sont attendus aujourd'hui. Ses rendez-vous réguliers au final, pratiquement tous les trimestres pour un généraliste. Bah c'était autant que le 3 pratiquement. Non, on attend que ça pratiquement, à chaque fois qu'il y en a un qui est annoncé, on l'attend avec impatience. Bah évidemment. Pour avoir toutes les dernières actus. Maintenant, j'ai quand même quelque chose. Il faut bien qu'on parle de l'avenir, puisque malheureusement, il est mort. Ma première question va être au niveau de ces Nintendo Direct, de cette communication. Peut-être que ce sera l'occasion. Oui, de l'avenir. Ouais. En Europe, ça peut être facile de simplement le confier à Shibata et aux US de le confier à Reggie. Ils peuvent s'en occuper et très bien. Justement, voilà. Au Japon, lors du dernier Nintendo Direct, il avait déjà été remporté. C'était un genou. Et peut-être qu'il savait déjà. Mais qui l'avait remplacé au Japon? Je ne sais plus son nom exact. C'était vraiment une jeune personne de chez Nintendo. Mais il l'avait remplacé. Peut-être que Valentin coup, savait... en fait. Qui mange autant d'ailleurs. Oh les pauvres! Peut-être qu'il savait justement que c'était peut-être bientôt la fin et que il s'est fait remplacer pour que les joueurs voient la transition. Bah, voilà, on va rappeler que du moment de ce Nintendo, on l'a vu dans le Nintendo Direct d'avril avec le Nintendo Direct généraliste d'avril,
Mais après, depuis, on l'avait plus revu. Non, il n'y a que les investisseurs qui l'ont vu. En fait. Oui, nous, on l'a pas revu. On l'a vu. Il y a eu une photo de cette conférence des investisseurs. On l'a eu avec une petite photo au moment de l'accord avec DNA, mais pas. Oui, mais c'était en mars. Oui, mais c'était avant en plus. Le 17 mars. Déjà. Tu connais la date par cœur. Mais bien sûr, c'est, je fais plusieurs régulièrement des actualités sur les jeux mobiles. Et en fait, pour revenir à ça, donc depuis avril, on l'a plus jamais revu en image. Il a été même dans le Nintendo Direct de l'E3, c'est une marionnette. C'est sa voix, mais c'est une marionnette. C'est la dernière image qu'on a lui, c'est le Muppet. Le Muppet. Ouais, non, c'est sans doute qu'il était sans doute de nouveau fatigué, parce qu'un cancer, quand il te rattaque, il t'épargne pas. Mais c'est vrai que c'est difficile de cacher ça aux gens jusqu'au bout, quoi. On imagine que ça n'a pas été simple. Donc du coup, quid de l'avenir? Quid de l'avenir? Alors, on rappelle que un titre provisoire, Miyamoto, et donc une personne qui pourtant là depuis très longtemps. Une personne âgée. Qui est là depuis très longtemps. Genyo Takeda donc deviennent président par intérim de Nintendo et derrière ils reprennent en fait les charges de planning etc. En fait, hein. On rappelle que l'un a 66, l'autre a 62 ans. Donc Takeda 66 et Miyamoto 62 ans. Mais ça reste sans doute les deux plus proches collaborateurs d'Iwata depuis toujours. Donc oui. Quelque part, on rappelle qu'Iwata, un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'Iwata aussi en 2006, il va mettre en place une toute nouvelle façon de gouverner Nintendo avec donc lui en président, mais surtout une gouvernance de 6 personnes, dont Miyamoto qui est où il va rentrer et Takeda du coup. Ouais. On rappelle que la grande force des deux, c'est qu'ils sont complémentaires, c'est que t'en as un qui gère le software qui est Miyamoto et l'autre qui gère la division hardware qui est Takeda et du coup qui est son projet. D'autant plus important depuis le rapprochement des divisions portables et salon dans un seul bâtiment. Et surtout, on rappelle que au final Nintendo va être très très porté hardware l'année prochaine. Normalement, oui. Il y a la NX et le Quality of Life, il faut pas l'oublier celui-là. Hein. Ils vont arriver en même temps. Au final, est-ce que cette présidence pourrait pas durer sur le long terme? Pas sur le long terme, mais je veux dire, on regarde un petit peu, on va faire le comparo entre l'arrivée d'Iwata et l'arrivée et sa mort. Iwata, il arrive, le GameCube est lancé. Le Game Boy Advance est lancé. Au final, ce qu'il a à faire, c'est à gérer le courant et à préparer l'avenir. Là, les ceux qui sont mis en place, ils sont quand même âgés. Iwata, il arrive quand même à 40 ans, 42 ans chez Nintendo, donc il a encore l'avenir devant lui. Malheureusement. Il y a Miyamoto, donc il a 62, et Takeda, il a 66. Bon, peut-être qu'ils peuvent vivre encore très longtemps, mais par contre, ils sont très proches de la retraite quand même. Et à un moment donné, le corps va dire non, tu pars, quoi. Hein. Et au final, est-ce que vous ne serez pas d'accord pour dire que vu, ils sont peut-être là, justement, en vue du lancement de ces projets? Parce que justement, là, ils ont en charge des projets qui ne sont pas lancés, qui sont à lancer, qui sont à marketer, qui sont encore à finir déjà. Je vois ce que tu veux dire, c'est qu'ils attendraient peut-être de lancer ces projets avant de changer. Probablement les deux personnes les plus eux-mêmes, les plus au courant des projets. Takeda, pour la partie hardware, c'est-à-dire le Quality of Life et la NX, et Miyamoto pour la partie software. Il travaille donc sur les jeux en cours sur Wii U, mais aussi sur les jeux en cours sur NX, sur les jeux en cours sur portable aussi, sur superviser un petit peu le truc pour que ça reste dans l'esprit Nintendo. Ils supervisent tout maintenant. Est-ce qu'au final, vu qu'eux sont les plus à même à lancer ces projets, puisque c'est sûrement les deux qui les connaissent le mieux, est-ce qu'ils n'ont pas été mis là en place pour justement gouverner à deux, même si au bout d'un moment il va se dessiner une hiérarchie sûrement qui va être officialisée, pour que au plus tard, quand l'un des deux, et sûrement Takeda, prendra sa retraite en premier, on mette quelqu'un de façon plus pérenne. Mais est-ce qu'au final ça rassure pas plus d'avoir ces deux personnes-là à la tête de Nintendo pour l'instant? Et on verra par l'avenir pour voir si. Par exemple, il y a des gens comme Shibata qui pourraient très très bien revenir au Japon et qui pourraient être limite un successeur. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, c'est difficile de savoir exactement ce que Nintendo a prévu, parce que faut pas se leurrer, hein, c'est déjà écrit, ils savent déjà comment la succession se fera. Bah,
Mais après, tu peux pas juste dire on va lancer les nouvelles plateformes et puis après on peut avoir tout de suite derrière un nouveau président qui portera ces nouvelles plateformes une fois lancées sur le marché. Parce qu'il faut que les personnes qui ont imaginé les appareils, on va dire, ça concerne autant Quality of Life que la NX ou les jeux sur mobile, c'est pour ça, soient en mesure de les porter ensuite derrière. Mais en fait, il faudrait quelqu'un en fait un peu... le truc, c'est une fois que c'est lancé, les projets quoi qu'il arrive. Le truc, une boîte comme Nintendo, comme même toutes les boîtes, n'imagine pas leur projet. Je veux dire, quoi qu'il arrive, là, il est parti, mais il est parti quand même un petit peu comme Steve Jobs l'a fait à l'époque, avec quand même les 5 prochaines années de dessiner. Clairement. Je veux dire, Est-ce que tu penses que Genyo Takeda pourrait rester à ce rôle pendant encore 5 ans? Ça lui ferait 71 ans. Se rappelle que Yamauchi est parti seulement un 72. An après. Yamauchi est parti et parti. Merci. On rappelle que Yamauchi. Toi, tu sers à rien. Pardon. On rappelle que Yamauchi est parti seulement un an après le lancement du GameCube. Et qu'au final, il est juste venu avec les idées et il a juste pris la suite. Et même Yamauchi derrière quand même a suivi un petit peu aussi des trucs. Il l'a quand même conseillé dans un premier temps. Mais est-ce qu'au final, il faut pas juste quelqu'un pour porter le projet, ceux qui sont le plus à même. Et après, justement, quand il y a le moment est très vite, on sait que les consoles, ça se décide, les consoles ou même les projets se décident pratiquement tout de suite après leur sortie. Est-ce qu'au final, la personne qui va remplacer à terme Takeda et Miyamoto devrait arriver quand même assez rapidement pour mettre en place sa griffe? Merci Valentin. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que d'un côté, tu pourrais dire que en ce moment, qui n'est pas mieux au courant que Miyamoto ou Takeda des futurs projets de Nintendo, des choses importantes. Mais c'est eux qui supervisent. C'est eux qui supervisent tout. Donc peut-être que mettre quelqu'un de beaucoup, parce qu'on ne sait pas vraiment pas qui était vraiment dans son entourage. On sait certaines personnes, mais on ne sait pas tout. Ça se trouve, ils peuvent nous sortir quelqu'un de l'ombre. On ne connaît pas les 4 autres membres du conseil d'administration et du comité de direction. Ils peuvent nous sortir quelqu'un de l'ombre qui est aussi très au courant. Mais c'est vrai que pour lancer de nouveaux projets qui d'ailleurs se dessineront pour l'avenir de Nintendo, qui jugeront de savoir s'ils peuvent rester sur ce marché ou des choses comme ça, peut-être qu'il faudrait laisser des personnes très compétentes, donc Miyamoto et Takeda qui est là depuis avec Yokoi sur la Game Boy, des choses comme ça, qui a arrêté la course à la technologie de Nintendo, qui pourrait lancer ces projets. Je pense que c'est les deux personnes les plus qualifiées pour faire ça, mais vous avez sans doute raison, il faudra une personne, donc il faudra décider une ou l'autre. Mais très vite, ça se vit en passe. On sent plus Takeda d'ailleurs que Miyamoto, puisque Miyamoto est quand même sur trop de projets en software pour... J'imagine que de superviser la division hardware quand t'as la NX qui arrive, le Quality of Life, je pense qu'il n'était pas le seul à superviser la direction hardware. Alors que le software, Miyamoto reste un petit peu en gros l'empreinte Nintendo. C'est un peu le mec qui a un peu les clés de comment marche un jeu chez Nintendo, quoi. Donc, et après, est-ce que Miyamoto veut vraiment devenir président? Sinon, il l'aurait été depuis longtemps, à mon avis. En tout cas, nous aurons bientôt un article de Dr. Cube sur l'avenir de Nintendo, de son point de vue. Il nous a fait dans le passé des articles très fouillés sur les jeux qui pouvaient sortir des différents studios de Nintendo, donc il connaît assez bien la structure de la société, et donc il est en train de nous préparer un petit quelque chose comme ça. Mais, donc du coup, à suivre, ça se trouve, il sera bien sorti quand on sortira l'Open Show. J'en doute. Parce que l'Open Show arrive très vite. J'en doute. Bon, en tout cas, qu'au final, Nintendo, quel va être l'héritage de Iwata? Tous ses derniers projets pour moi, mais... Iwata, c'est quand même le gars qui a réussi à sortir la Wii et à faire vendre une console de Nintendo à 100 millions d'exemplaires. Ça, en effet. Les autres, ils auraient bien voulu en faire autant, aussi facilement. Faut quand même avoir une certaine... Il a réussi à soulever l'entreprise, en fait, pour la montée. Ouais, parce que c'était pas évident. On se rappelle, dans les années 2000, on parlait stratégie océan bleu, machin, truc, on va là où les autres ne vont pas, je veux dire, en 2004-2005, quand on faisait des océan news sur... Océan bleu, d'ailleurs, on rappelle, imaginé par Takeda à la base. C'est Takeda qui souffle océan bleu à l'oreille d'Iwata à ce moment-là. Ouais, et du coup, faut quand même être honnête, quand on relayait ces infos sur PN, on se disait, les gars... L'avenir est... Ouais, faut quand même oser pour partir dans cette direction-là, quand tout le monde fait la même chose avec des super graphismes et tout. Alors, ouais, on regrette bien sûr que la Wii n'ait pas eu de la HD à l'époque. Le marché serait sans doute complètement différent aujourd'hui. La Wii U ne serait pas la Wii U, on serait déjà un pas plus loin.
Mais c'était très avec Nintendo qui démocratise quand même là aussi la tactile. À ce moment-là, le tactile, c'est désuet, c'est pas du tout hype, hein. On rappelle les PDA, etc. Ça ne marche pas du tout. Ouais. Et autant, ça a très bien marché avec la DS que ça n'a pas marché avec la Wii U, parce que justement, le gamepad avait un aspect de tablette cheap, quand en face, t'avais des iPads. Avec les petits touch, etc. Avec une résolution bien meilleure. Et le pire, une résolution bien meilleure et une autonomie bien meilleure. Oui, aussi. C'est vrai aussi. Mais au final, est-ce qu'on peut pas dire aussi que l'avenir un petit peu de l'héritage d'Iwata va aussi dépendre beaucoup des projets qui vont être sortis. En gros, si NX cartonne, si les jeux sur portable cartonnent, et ben ça va appeler la suite. Ça va appeler la suite dans la continuité. Mais si une nouvelle fois, on peut imaginer que ces trois trucs fassent un four. Parce que Nintendo compte sortir 5 jeux sur portable. 5 jeux en 2 ans, alors que les autres ils en font 5 par jour à peu près. c'est ça. Est-ce qu'ils risquent pas d'être noyés aussi par rapport à ça? C'est possible. Même s'ils risquent d'être marketés, mais après, vous dire, les gens qui ont un téléphone, on va dire tiens, t'as le nouveau jeu Nintendo. T'en fous. Il y en a des millions de jeux. C'est ça le gros risque avec eux, c'est que faire se démarquer parmi des millions. Mais il y a des jeux qui sont arrivés, on voit très bien avec Candy Crush. On l'a vu avec Angry Birds qui essaye maintenant. J'ai vu une analyse très intéressante sur le phénomène Angry Birds qui a été porté au plus haut et qui s'est effondré ensuite pour essayer de revenir maintenant. Je pense que vous voyez, les gens ne veulent pas la même chose. Non, parce que en fait, c'est vraiment, ils expliquaient qu'ils font toujours la même chose et malheureusement, c'est vrai que tu as raison. C'est un marché volatile, c'est un marché très très volatile. C'est exactement le même marché que la DS et de la Wii au final. On peut le voir exactement pareil avec Candy Crush. Au final, tous les jeux, à part Candy Crush, tous les jeux de King, c'est toujours tous dans le même style, c'est toujours du match 3, enfin, ils se diversifient pas. C'est un marché très difficile, je pense, le marché mobile. Ah, c'est chaque studio fait un one shot. Mais malgré tout, j'ai pu essayer quelques jeux d'innés actuellement. Il y en a qui sont très très réussis. Ils bossent très très bien dans les jeux mobiles. En tout cas, c'est Nintendo qui les développe. Mais oui. On verra ça bien sûr. Mais est-ce qu'au final, on dit donc les trois peuvent faire un four. On l'a vu, hein, la Wii U. Oui, après t'es pas à l'abri d'accidents industriels. Voilà. Mais c'est pas les seuls. Est-ce qu'au final, on va dire l'avenir un petit peu de l'esprit Iwata dépend du succès des prochains projets, et qu'au final, si ça n'a pas marché, il faudrait prendre quelqu'un qui a une autre vision du truc et du coup qui balayerait le travail d'Iwata. Oui, si jamais les produits ne fonctionnent pas, oui, il faudra imaginer autre chose, parce que ça voudra dire que la stratégie telle qu'elle a été imaginée ne fonctionne tout simplement pas. Après, tu peux te dire, si ça marche, on dira merci, c'est grâce à Iwata. Et si ça marche pas, on dirait que c'est de la faute à Miyamoto et à Takeda qui n'ont pas su porter le message qu'Iwata voulait véhiculer avec ses nouveaux produits. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que là, on va avoir un héritage très rapidement, puisque ça se passera l'année prochaine pour la plupart. Même très tôt, fin 2015, pour le premier jeu mobile. Ouais, mais bon, ce sera, est-ce que ce sera le Pokémon Shuffle Mobile? Attention de ne pas se faire taper sur les doigts, c'est Pokémon Company et pas Nintendo. Bien, d'ailleurs, Pokémon Company qui a été voulu par Iwata. C'est Iwata qui instaure Pokémon Company parce qu'il voulait justement une société qui dirige en fait cette énorme licence. Comme je vous disais tout à l'heure, il va vite comprendre que Pokémon est la licence phare pour Nintendo aujourd'hui pour faire de la cash money. Et du coup, il va faire fonder Pokémon Company pour gérer en fait cette marque-là. C'est la seule marque de Nintendo qui n'est pas gérée par Nintendo. Ouais, ouais. Mais quand on voit la popularité de Pokémon dans le monde et le revenu, le chiffre d'affaires généré par la franchise, on comprend que c'était sans doute une très bonne chose. On a eu une news récemment sur les chiffres d'affaires engrangés par les licences. Non, par les films. Par les films. Par les films, oui. Qui étaient énormes. C'est 60 millions d'entrées. C'est 70 millions d'entrées au Japon seul. Bon, après, en même temps, les films, ils marchent qu'au Japon. Il y en a combien de films? Il y en a au moins 16 maintenant. Il me semble qu'on attaque le 18e. Ça fait 4 millions moyens. C'est pas mal. 3-4 millions de moyens. Pour des films de jeux vidéo, oui, c'est très bon. Ouais, Taxi 2 a fait mieux, mais... Ouais. C'est pas un film de jeux vidéo, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est pas Titanic film, aussi. C'est pas un film tout court, Taxi 2. C'est ça le problème. Luc, si tu nous regardes, on t'aime d'amour. Voilà. En tout cas, c'est il nous laisse quand même derrière nous des tas de souvenirs. Et justement, une petite question avant de terminer. Qu'est-ce que vous retenez d'Iwata et qu'est-ce que l'annonce vous a fait? Qu'est-ce que vous retenez d'Iwata? Valentin, on va te laisser un peu parler puisque... Déjà, moi, c'est ce que j'ai expliqué à travers l'article hommage qu'on a fait sur PN, c'est que moi, j'ai très peu connu, étant jeune,
et insolent, jeune et insolent. Je n'ai que très peu connu l'ère Yamauchi, donc c'est vrai que je le connais même très peu, en fait, je ne connais pas son histoire, ce qu'il a fait vraiment dans la boîte. Mais c'est vrai que Iwata, ce que je disais, c'était pour moi le président de Nintendo, c'était pour moi le seul que j'ai connu. C'est le visage un peu surtout. Voilà, le visage, parce que c'est vrai que Yamauchi, on ne l'a pas beaucoup vu non plus. Iwata, depuis que je suis sur PN, on le voyait pratiquement tous les mois, quoi, avec les Nintendo Direct, les Iwata Demande, enfin tout ce qu'il faisait. Même si ça s'est un peu ralenti à la fin pour Iwata Demande, par exemple. Mais c'est vrai qu'il a réussi à relancer la boîte avec la Wii, la DS, donc comme on a dit, pourtant qui était très très bas, parce qu'on a vu que les consoles Nintendo descendaient petit à petit, les consoles de salon, les chiffres descendaient petit à petit, et c'est remonté avec la Wii. Mais il n'a pas toujours réussi, comme on l'a vu avec la Wii U, mais c'est quand même un grand président pour moi. Vous avez? Bah Iwata, dans chaque Nintendo Direct, tu disais, mais qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui, hein? Il y a les anecdotes du regard banane. Et c'est un truc qui est devenu mythique. Tu te dis, mais d'où ça sort? Tu dis, quelque part, le gars, c'est quand même un gros déconneur. T'imagines les brainstorming. Qu'est-ce que je vais faire comme connerie? Le service com qu'il devait faire. même le combat Iwata Reggie, ça aussi, c'est tellement... C'était grandiose, mais je pense que ça fait aussi partie des choses que les joueurs attendaient dans le cadre de la com autour du jeu. Oui. Donc, quelque part, c'était un peu normal aussi. Mais ce qui était beaucoup plus original, c'est le fait que ce soit le PDG de la boîte qui se mette en avant comme ça, tu vois. Après, tu disais, Iwata, c'est celui qui a réouvert les vannes de la com de Nintendo. Qui les a ouvertes en fait. Oui, puisque Yamauchi les avait... Mais du coup, tu sentais que depuis quelques mois, il y avait une deuxième vague d'ouverture de Nintendo. L'ouverture aux jeux mobiles, évidemment, parce que pendant des années, Nintendo ne disait jamais. Il y a les parcs d'attractions, je veux dire, Nintendo qui prête, qui vend ses franchises pour en faire des attractions, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais cru possible. Bah, il manquait plus que les sorties des anciens jeux sur les autres consoles, et puis c'était... Ben, c'est un peu ça. Après, ça, c'est peut-être le genre de choses qui pourrait arriver à long terme si la NX est un four l'année prochaine. Et tout dépendra aussi des présidents qui seront à ce moment-là. Mais d'ailleurs, je l'espère, franchement, je préférerais grandement que les licences ne meurent pas et qu'elles soient portées sur d'autres consoles, que Nintendo meure et en part tout avec lui. Ça marche pas toujours, tu vois, ces gars, ils ont pris cette voie-là et ça ne va pas réussir du tout. Ça te sauve à court terme, mais ça ne te sauve pas à long terme. Ça te fait du cash pour les actionnaires, mais ça ne te fait pas la survie de ta société. Et ça, ces gars, ils le paieront toujours, de toute façon. Donc voilà, c'est l'Iwata, l'homme de com et l'homme d'ouverture, que je garderai en souvenir et qui a sauvé Nintendo après la GameCube et la GBA. Bah moi personnellement, Iwata, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué chez Nintendo. C'était, comme je le disais, le visage pour moi. C'est un mec qui arrivait, tout le monde disait, mais c'est un scandale, comme tu disais quand il est arrivé, c'est un scandale, il n'est pas de chez Nintendo, on ne le connaît pas, est-ce qu'il c'est lui, etc., etc., etc. Pourquoi c'est pas Miyamoto, tatatatata. Moi, c'était à peu près la période où je commençais vraiment à m'intéresser en plus à toute l'actualité qu'il y avait autour du jeu vidéo, et pas que... C'était la période en même temps que Sega arrêtait les consoles, etc. Donc c'est une période très mouvementée à ce moment-là dans le jeu vidéo. En plus, l'un des premiers choix d'Iwata, bah, ça va être quand même de revendre Rare. Donc il commence bien, c'est ça. Pourquoi il l'a fait, un peu de ménage. C'est la plus grosse erreur au final, on pourrait dire aujourd'hui. Mais non, il a sorti le truc, parce que regarde ce que c'est devenu, Rare. Regarde, 15 ans après, on se rend compte qu'il avait ô combien raison de vendre ça. Ils ont fait une fortune avec Rare. Ils ont vendu une coquille vide. Ça se trouve, Rare, ça serait pas ça aujourd'hui si c'était... Non, parce que les têtes pensantes étaient en train de quitter la boîte. Mais en tout cas, pour revenir à ça, bon, il commence quand même de mal. Mais très vite, on va s'attacher au personnage. Parce qu'on peut dire qu'on ne peut pas être forcément toujours d'accord avec ce qu'a fait Iwata. Je veux dire, on peut voir avec, par exemple, la Wii U, on peut voir avec... On l'a beaucoup critiqué quand même. Iwata avait quand même des côtés très critiquables. C'est-à-dire, sa politique avait quand même des côtés très, 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 très critiquables. Bah, le choix, le positionnement L'année 2008 a été une catastrophe pour la Wii U. Mais heureusement, quoi qu'il arrive, pourquoi? Moi, personnellement, j'ai jamais été détaché. Parce que même quand il n'y avait pas de jeu sur Wii, il y en avait sur DS. Il y a pendant qu'il y avait juste Mario Kart et Smash Bros en 2008, et qu'on avait sinon Désastre et Animal Crossing, qu'est-ce qu'on avait à côté? À côté, c'était Pokémon Perle, Diamant et Perle. C'était The Legend of Zelda Phantom Hourglass. C'était plein de jeux comme ça. C'était Chrono Cross, The Chrono Trigger qui revenait sur DS. C'était une période où il y avait énormément d'RPG sur DS. FF3.
D'ailleurs, beaucoup de RPG sont sortis sur DS, sûrement. Après, c'est un peu l'histoire de Nintendo, de toujours avoir la chance d'avoir quelque chose qui leur permette de tenir quand le reste du business bat un peu de l'aile. Mais je veux dire, après, derrière, Iwata, ce que je retiendrai, c'est le fait de... c'est pas mes meilleures années Nintendo en termes de jeux, forcément. Je veux dire, si j'ai... Mes gros jeux se sont arrêtés vraiment avec le GameCube, donc il y en a forcément des F-Zero par exemple qui n'aurait pas existé sans lui sur GameCube. Mais je veux dire, après derrière, il y en a eu quelques-uns qui m'ont vraiment marqué, mais pas au point de m'ancrer comme elle a pu le faire à Mario Bros 3, etc. Mais par contre, à côté de ça, je me suis régalé à suivre l'actualité Nintendo. Le 3, j'ai toujours attendu avec impatience. J'ai souvent râlé, pratiquement une année sur deux. T'as beaucoup crié. J'ai souvent râlé. Il y a d'autres années où j'ai adoré. L'année dernière, c'était un régal. 2010, c'était génial. 2006, c'était génial. 2004, c'était l'extase. C'était l'extase. Mais je veux dire, il y a eu des années géniales comme des années 100. Mais toujours, j'ai attendu et toujours, j'ai apprécié le personnage. Et surtout, ce que j'ai adoré avec lui, c'est qu'on l'a vu à chaque fois s'ouvrir, on l'a vu s'amuser, on l'a vu... Il était différent à chaque fois, en fait. On l'a vu progresser. Rappelle-toi l'anglais d'Iwata au début, vois maintenant ce qu'il était devenu à la fin. Rappelle-toi ce laïus d'un quart d'heure sur le Vitality Sensor, on comprenait pas un mot. C'était comme... Et regarde maintenant ce qu'il est devenu, quelqu'un d'hyper quand même, toujours un peu rigide. Un peu les trois dans son costume. Je pense que c'est le côté japonais, ça fait vraiment le. Un peu les trois dans son costume. Mais à côté de ça, hyper déconneur, enfin, il paye de sa personne dans les trucs quand même. Et c'est ça. Et moi, ce que je retiendrai le plus dans tout ça, dans toute cette communication, c'est son sourire. Parce que du début à la fin, il avait toujours ce sourire, mais qui respirait la passion. Et tu sentais pas que c'était un sourire, c'est que t'avais mis deux épingles pour les tenir. Même pour répondre aux critiques, parce qu'il essayait toujours d'expliquer la raison pour laquelle. On a souvent dit qu'il allait marcher, s'excuser, etc. Mais il a toujours assumé, c'est aussi sa grande force, c'est que ça soit bon ou mauvais, il a toujours assumé ses choix. Il a toujours essayé d'expliquer, comme tu dis. Il est toujours allé au bout. Oui, mais quand il faisait des erreurs, il est même revenu en arrière. Oui. Il est même revenu en arrière parfois. Je veux dire, quand du jour au lendemain, tu annonces quand même à 3 millions de personnes qui ont acheté une console à 250 €, désolé, dans 3 mois après, elle passe à 150, mais on va vous donner quand même 20 jeux, mais c'est vrai qu'on est désolé que ça tac. Je veux dire, c'est couillu comme. Il l'assume. Ça aurait pu être juste un communiqué et quoi, ils vont laisser parler. Au final, ils l'ont déjà la console. Ils n'auraient pas eu besoin de faire communiquer, ils auraient dû regarder baisser le prix. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant. Non, mais rappelle-toi, la première Xbox, après, ils ont été sympathiques Microsoft tout de suite. Et la première Xbox, au bout d'un mois, elle baissait de 150 € de prix. Mais en échange, je donnais deux jeux et deux manettes. Hein, donc, regarde les GameCube qu'ils ont repositionné avant même très vite, la sortie. La GameCube était pas chère. Oui, voilà, elle était à 200, après, elle était à 100 très vite. Ouais. Mais je veux dire, il a toujours assumé ses choix et toujours voulu expliquer, c'est ça très fort. Et après derrière, aussi, on sentait le gamer, on sentait le joueur, et grâce à lui, on a eu quand même droit à des pépites qu'on n'aurait jamais eues. Bayonetta 2 par exemple l'année dernière, le Wonderful, ou encore. On a eu beaucoup de localisations, des choses comme ça, peut-être que. Des Xenoblade, jamais tu t'ennuies à faire une traduction pour ça. C'est trop cher pour aussi peu de revenus. Mmh. C'est sûr. Regarde, et même tellement ça a marché au final, regarde, ils se payent le luxe de se payer les développeurs de Xenoblade en les privatisant. Je veux dire, il a tout de suite fait le choix de privilégier le jeu plutôt qu'à l'expérience au final. C'est pour ça qu'on n'a pas eu d'HD tout de suite, etc. Il a tout de suite quand même toujours privilégié en fait l'accessibilité et toujours l'ADN de Nintendo, le gameplay. Même si au final la Wii était une gimmick. Mais on s'amusait, c'était le fun ce gimmick. On s'amusait effectivement. Mais dire, tout le monde râle aujourd'hui sur Wii Sports, c'est pas un jeu, c'est peut-être pas un jeu pour certains. Mais tu t'amusais. Mais moi pendant 6 mois, quand je jouais pas à Twilight Princess, mais avec mes sœurs ou mes potes, etc., Wii Tennis ça allait à fond. Et je te dis même pas Wii Golf avec mon meilleur pote la nuit où on se faisait 4 heures de Wii Golf à. Mais je pense que c'est ça, à l'époque tu t'amusais plus sur les jeux qu'aujourd'hui. Moi personnellement, je me suis plus amusé d'ailleurs sur la Wii sans Motion Plus qu'avec Motion Plus. C'est autre chose. Voilà, mais c'est. Donc voilà, personnellement, moi j'étais vraiment dans la vision d'Iwata pour ça. C'est vraiment un truc qui m'a plu. C'est ce que j'aime aujourd'hui, c'est les jeux qui te filent le sourire, qui sont de moins en moins là. Par exemple, quand tu joues à certains jeux, à l'époque Wii Sport, tu donnais à un gamin, il jouait au tennis, tu t'es sûr qu'il avait le sourire direct. C'était ça la force de Nintendo à l'époque. C'est beau, c'est une belle conclusion. Regarde Splatoon. Splatoon, c'est ça, les gamins, ils voient les pubs du jeu, ils sont tout de suite à fond. Même nous, regarde la régale, le fun, je t'explique même pas, quand tu vois les gamins qui voient les réactions sur Splatoon, ils sont tous à fond, ils disent tout ça, c'est ce machin, c'est Nintendo, ils sont tous... C'est ça, Nintendo. On rappellera une phrase d'Iwata qui va sûrement bien conclure le truc,
c'est que pour lui, le jeu vidéo, c'est du fun et du fun. C'est une belle conclusion. C'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Ça résume bien. En tout cas, c'est la fin de ce PN Show. Un peu émouvant, puisque c'est vrai que ça fait bizarre, c'est quelqu'un qu'on appréciait beaucoup. Bah, qui a... Ouais, on se demande maintenant qui va nous présenter nos Nintendo Direct, qui va faire le jeu de notre avec Reggie, est-ce qu'on aura encore des Iwata demandes, enfin pas des Iwata demandes, mais des interviews de développeurs. En tout cas, on le voit avec un petit peu, c'est qu'il a marqué aussi toute la génération de développeurs autour. On le voit tout de suite aux hommages qu'il y a eu derrière. Que ce soit déjà en interne, c'est-à-dire que tout le monde était dévasté, Trinel en tête, ou même des gens qui étaient à Nintendo of America qui l'ont côtoyé, mais qui, il y a eu un record d'affluence pour ses obsèques au Japon. 4000 personnes, c'est énorme, 4000 personnes. Ça veut dire que c'était quelqu'un de très apprécié, et c'est vrai que la lecture de tous les hommages, par exemple, que les gens Canal Plus ou France 3 ont fait des reportages des mini-reportages sur lui lors de sa mort. Le Monde a fait, enfin, ça a été très vite repris. D'ailleurs, on pourra citer d'ailleurs un petit peu dans nos confrères, on peut peut-être conseiller, si vous voulez un peu plus, c'est l'article de GameCult, écrit par Camus, s'appelle C'était Iwata. Un article qu'il faudra prendre une bonne demi-heure pour le lire, mais qu'on vous conseille absolument, il est très très bien écrit. Autre chez Gameblog. C'est des articles comme ça que je voudrais qu'on ait sur PN plus souvent. Autre, on peut peut-être citer aussi, c'est l'interview par Gianni de Florent Gorge, qui revient un peu sur des anecdotes un peu plus obscures, donc on était pas forcément des Wata, sur Gameblog. Une petite vidéo d'un quart d'heure à regarder, mais c'est vrai que quand Florent commence à parler, ben, tu bois. C'est ça, tu bois ses paroles. C'est ça. Et tu l'arrêtes plus, et, comme toi. Voilà. Et c'est... mais voilà, c'était Avid Iwata. Et je trouve ça fou, l'hommage qu'il y a eu, surtout des fans à travers le monde entier. Ouais, il y a même eu les images, vous allez en voir certains, des dessins assez magnifiques. Chez Nintendo of America, les fleurs qui ont été posées. Même chez Nintendo, en Australie, il y a eu des hommages, des choses comme ça. Au Japon, les drapeaux ont été mis en berne aussi. Au Nintendo World Star, de partout. Les dessins ont été magnifiques. Une communauté Twitter s'est vite mis en place. Une grosse communauté. Sur Miiverse également. Sur Miiverse, c'était aussi la folie. Ils ont dû créer directement en plus un espace. Pour qu'ils puissent garder les dessins faits pour ce. Mais en tout cas, c'était Iwata. C'est quelqu'un quand même qu'on peut dire qui nous a marqué. N'empêche, personnellement, pour moi, c'est quand même 50% de ma vie de gamer qui s'est résumé aussi un petit peu avec lui. C'est ça, le temps passe vite. C'est quelqu'un qui a marqué Nintendo par son mental, qui est vite devenu le visage, la voix de Nintendo, et qui est... Voilà, on attend la suite, mais c'est vrai que ça n'aura plus forcément la même saveur. Ce sera différent. Ça change. En tout cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est merci l'artiste, et on se donne rendez-vous, très vite pour le vrai retour du PN Show à la rentrée, en espérant être plus dérangé par ce genre d'événement. En tout cas, j'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires ou sur Twitter, hashtag PN Show, de nous laisser votre avis sur Iwata aussi. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir, etc. D'ailleurs, on pourra reprendre un peu vos avis dans le PNcast de la rentrée, puisqu'on n'a pas fait d'avis des auditeurs pour le dernier, donc autant lancer ça. Laissez-nous vos avis sur les commentaires, comment vous avez vu Iwata, comment vous avez apprécié ou pas forcément la personne, mais aussi son action. En tout cas, c'est quelqu'un qui laissera une trace dans l'histoire de Nintendo. C'était seulement le 4e président de la firme de Kyoto. Voilà, merci à tous. C'est la fin de ce PN Show. Et pour une fois, on vous rend l'antenne quand même assez rapidement. Bisous à tous. Ciao, ciao. Et d'ici là, bye bye bye. Bye bye. That's all for today. Thank you very much for watching.